Bonsoir à tous. Constatant qu'il y a quorum, je déclare la séance ouverte et je vous invite tous à un moment de recueillement. Je vous remercie. Avant de passer au point 2 à l'ordre du jour, nous avons deux groupes d'invités ce soir. Nous allons débuter par le groupe Les Petits Frères de Québec. Et pour nous les présenter, je vais donner la parole à Mme Gilbert. J'ai perdu mon papier. Mme Gilbert. Mme. Excusez-moi, j'ai oublié mes documents dans mon bureau, dans ma course. J'aurais voulu présenter les noms de chaque personne qui sont ici ce soir. Vous m'excuserez, je vous ai accueilli tout à l'heure. Alors, c'est le groupe Les Petits Frères de Québec et Gris Québec. Alors, ça nous fait excessivement plaisir de les recevoir aujourd'hui. Pour Les Petits Frères de Québec, M. André Tardy, qui est accompagné de trois personnes. Je vais vous laisser les présenter, M. Tardy. Les Petits Frères de Québec ont fêté leur 30e anniversaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Fêtent leur 30e anniversaire hier, en fait, et c'était aussi la journée des personnes aînées, le 1er octobre. Alors, ça me fait plaisir, M. André Demers, Mme Regina Drisdale-Como, qui est bénévole aussi aux Petits Frères, M. Jean Chevalier, bénévole, et M. André Giguère, bénévole. Alors, M. Demers, est-ce que vous aimeriez venir prendre la parole? Bonsoir. Alors, Madame la Présidente, je vous souhaite, au nom de notre organisme, on vous remercie beaucoup de votre invitation. Je salue les personnes que je connais déjà ici, dans cette enceinte, que je respecte beaucoup, et je souhaite que le Conseil va continuer de s'intéresser aux groupes qui ont une vocation communautaire comme le nôtre. Vous savez que les Petits Frères, ça existe au Québec depuis 55 ans. Les Petits Frères qui sont aussi des Petites Sœurs, d'ailleurs, c'est probablement la majorité, je n'ai pas fait le compte, là. Que ce soit des bénévoles ou les personnes qui font partie de la famille des Petits Frères. Ce sont des personnes que nous accueillons à partir de l'âge de 75 ans, dont essentiellement la vie ne leur permet pas d'avoir un réseau familial ou de personnes connues autour d'eux. Il y a beaucoup de solitude et c'est ce qui définit en fait leur relation, le motif pour lequel nous les accueillons au sein de la famille des Petits Frères. Et quand on les accueille, à partir de 75 ans, on pourrait commencer plus tôt, mais là, le nombre serait exponentiellement en croissance. Et donc, à partir de 75 ans, quand nous les accueillons jusqu'à la fin de leur vie. Et nous essayons de reproduire au du mieux possible une atmosphère familiale solidaires de leur vie, par le jumelage, par des activités à caractère éducatif ou de loisir, par des visites à domicile, par des visites à l'hôpital lorsque ça se produit, et même des accompagnements de fin de vie. Et donc, c'est essentiellement notre aire d'activité à nous. Et puis, je remercie toute personne qui s'intéresse et qui est vigilant dans son milieu pour essayer de repérer et de contrer l'isolement autour d'eux. Et les Petits Frères accueillent année après année à peu près 200 personnes par année. On a plus de bénévoles encore, et donc c'est pas beaucoup pour une ville et une agglomération comme Québec. Donc on invite les citoyens à être attentifs à cette cause-là. Merci beaucoup. Merci de votre implication. Un second groupe est avec nous ce soir. Nous avons avec nous les gens de Gris Québec. Et encore une fois, pour nous les présenter, je cède la parole à Mme Gilbert. Oui, alors, Gris Québec, le directeur général est avec nous, M. André Tardy, qui est accompagné de Hugo Desrosiers, France Trottier, Carole Côté, Barbara Souza, Françoise Lépine, Joanie Bouffard, Laurie Lalancette, Sophie Gagné-Bergeron,
Et je crois que nous avons aussi deux personnes d'Alliance Québec qui est dans l'assistance. Alors, si vous voulez prendre la parole, Gris Québec fête aujourd'hui leur 30e anniversaire. Et c'est un organisme qui est très, très important dans les quartiers, dans tous vos quartiers, effectivement, parce qu'ils ont une approche très particulière auprès des jeunes dans les écoles et surtout des parents qui doivent être accompagnés dans des cas particuliers. Je vous invite à vous expliquer votre organisme. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Madame Gilbert, Mesdames, Messieurs du Conseil municipal, Mesdames, Messieurs. Je commence avec une invitation, où d'ailleurs vous serez, mercredi 11 octobre dès 17h30 au Théâtre de la Bordille, Gris Québec soulignera son 20e anniversaire de fondation en proposant un événement spectacle où sont attendus autant les anciens bénévoles, les actuels bien sûr, les anciens membres du personnel, toute l'équipe du Gris Québec ainsi que la population générale. Donc c'est une invitation, elle est lancée. Historiquement, le Gris Québec a été l'affaire de centaines de bénévoles formés à démystifier l'homosexualité et la bisexualité. La mission de l'organisme qui vise à permettre l'intégration harmonieuse des personnes gays, lesbiennes et bisexuelles dans la société s'est concrétisée de multiples manières. J'en cite quelques-unes. Donc, des ateliers présentés sous la forme de témoignages dans les écoles, c'est notre marque de commerce, on est reconnu particulièrement pour ça. On offre de la formation à propos de l'intégration des notions de diversité sexuelle et de genre dans les pratiques professionnelles, réseau santé, services sociaux, éducation, etc. Un milieu jeunesse à l'intention des jeunes personnes gays, lesbiennes et bisexuelles de 14 à 21 ans, je le souligne, c'est unique à Québec, dans la région de la capitale nationale et dans tout l'est de la province. Des outils web aussi qu'on offre, du matériel multimédia, bien, c'est autant d'exemples de réalisations depuis 20 ans qui sont concrétisés grâce aux appuis et grâce à l'organisme Gris Québec. Depuis 20 ans, d'importants bailleurs de fonds publics privés ont permis que tout cela soit possible. Pour une 4e année consécutive, c'en est un exemple, plus d'une centaine d'artistes et donateurs ont accepté de remettre gracieusement des œuvres d'art dans le cadre d'un encan annuel de levée de fonds. En bref, et c'est important de souligner, le soutien que reçoit Gris Québec, le vif intérêt qui lui est démontré font la démonstration d'une réelle détermination à contrer l'intimidation homophobe de la part de notre société, sa population, de ses décideurs, de ses instances, de ses institutions. Ensemble, nous faisons démonstration qu'il s'agit là, et j'insiste, de l'affaire de toutes et de tous, sans exception. Comme nous le disons depuis 20 ans, et plus que jamais, nous changeons le monde grâce à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Oui, merci, Madame la Présidente. J'ai eu le plaisir de recevoir ces gens-là il y a quelques minutes. Je leur disais je vais me répéter, mais ça vaut la peine, comment la ville de Québec ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas des groupes communautaires comme le Gris ou les petits frères des pauvres. Et je leur disais aussi qu'on n'est pas dans une ère dite sociale, entre guillemets. Les gouvernements coupent, je pense qu'il faut le dire, il faut le répéter, les gouvernements coupent. Il me semble qu'on avait plus d'attention pour les misères du monde jadis. Jadis, ça ne fait pas si longtemps, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Et bon, moi, je suis sociologue de formation, alors ça ne me quitte jamais. Et je veux leur dire qu'ils mettent tellement d'énergie seulement pour se financer. C'est tellement exigeant pour tous les groupes communautaires de Québec. Je veux leur dire qu'on les appuie, on est d'accord avec eux, on va tenter de poser des gestes pour les aider, mais c'est extrêmement honorable et j'espère que c'est gratifiant pour vous autres ce que vous faites. En tout cas, nous, on le reconnaît. Vous êtes nos idoles. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire, je pense que vous souhaitiez également souligner la présence. Alors, Madame la Présidente, je voudrais profiter ce soir du dernier conseil municipal pour rendre hommage à une journaliste. Alors, je vais en étonner quelques-uns. Elle est blonde. Est-ce qu'elle pourrait se lever et se faire voir, s'il vous plaît? Alors, c'est une journaliste qui a couvert la scène municipale pendant quelques années, malgré son jeune âge, et qui a récemment pris la décision de quitter Québec, en fait, de nous quitter, il faut le dire comme ça, pour aller relever de nouveaux défis à l'autre bout du pays. Et je tiens d'ailleurs à faire taire les rumeurs, parce que c'est très important, ce n'est pas moi qui suis la cause ou encore à l'origine de ce changement de vie pour Valérie Gamache. Sa magnifique impertinence, son esprit
vif, mais tellement vif. Et son humour caustique, qu'on savait apprécier tous les jours, évidemment, va nous manquer sincèrement. Et je crois que c'est maintenant connu que Valérie quitte TVA pour aller travailler à RDI Vancouver. Alors, je dis aux gens de Vancouver, « Watch out, baby. She's coming. » Et je voudrais, en mon nom personnel, chère Valérie, au nom des membres du conseil, puis très sincèrement, je pense qu'on le pense tous, te remercier chaleureusement pour ton travail, mais pour ce que tu es, sincèrement. Je veux te le dire parce que même si on était généralement absolument pas d'accord avec tes reportages, ben on t'aimait quand même. Tu vas nous manquer. On te souhaite la meilleure des choses et sois aussi impertinente là-bas que tu l'as été ici. Merci. Merci. Donc, nous en sommes maintenant au point 2, adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il? Oui. Je vais écrire au maire de Vancouver pour l'avertir que Valérie s'en vient. Parfait. Donc, point 2. Est-ce qu'il y a des modifications ou des corrections à l'ordre du jour, M. Greffier? Aucune modification, Mme la Présidente. Merci. Donc, c'est proposé par M. Choiry, appuyé par M. Bussière. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville tenue le 18 septembre 2017, proposé par M. Bussière, appuyé par M. Choiry. Point 4, rapport de M. le maire Régis Labombe sur les décisions prises lors de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération de Québec tenue le 20 septembre 2017 et dépôt du procès-verbal. M. le maire? Oui, Mme la Présidente, Mme la Présidente, pardon. Toutes les décisions prises par le Conseil d'agglomération de Québec lors de sa séance tenue le 20 septembre 2017 sont consignées dans le procès-verbal que je dépose par la présente. Les procès-verbaux des séances du Conseil d'agglomération de Québec peuvent être consultés au bureau du greffier sur le site Internet de la Ville de Québec. C'est la même chose. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'autorise le dépôt du procès-verbal. Point 5, communication écrite au Conseil. Monsieur le greffier? Il y en a une. Elle est inscrite à l'ordre du jour. C'est le dépôt par Monsieur le conseiller Jonathan Julien du document requis en vertu de l'article 477.3 de la loi sur les cités et villes, soit la liste des contrats de 25 000 $ et plus sous forme de bons de commande pour la période du 1er mai au 31 août 2017. Merci bien. Point 6, matière nécessitant une consultation publique. Il n'y en a pas ce soir. J'en profite pour rappeler aux citoyens qui sont présents dans la salle et qui souhaiteraient intervenir à la période de questions qui leur est réservée de bien vouloir inscrire leur nom sur la feuille qui est prévue à cet effet à l'entrée de la salle. Point 7, première partie générale d'intervention des membres du Conseil. Comme à l'habitude, le premier temps est réservé à M. le maire avec une première réplique de Mme Guérette. Le deuxième temps de parole est réservé à Mme Guérette avec une réplique de M. le maire. Suite à ces deux interventions, quels sont ceux et celles qui souhaiteraient intervenir? Mme Lemieux, Mme Gilbert, Mme Jean, M. Choiry, Mme Perrault. D'autres interventions? M. Verrette. Donc, M. le maire, comme à l'habitude, je vous accorde plus de 5 minutes si nécessaire et j'offrirai par la suite le même temps à Mme Guérette. Alors, merci, Mme la Présidente. Nous sommes en pleine campagne électorale et c'est pourquoi ce soir, je ne profiterai pas de mon temps de parole pour faire une intervention politique. On débat de nos visions et de nos programmes sur les tribunes médiatiques actuellement et je crois que c'est l'endroit le plus approprié pour le faire. Et ce soir, je souhaite plutôt rendre un dernier hommage, mon Dieu, c'est quasiment funéraire, un dernier hommage à mes collègues qui en sont à leur dernier conseil municipal. Et je pense que Julie avait les bons mots lorsqu'elle a annoncé son départ en juillet dernier, alors qu'elle disait qu'il faut du courage pour faire le saut en politique, mais il faut aussi du courage et de la sagesse pour en sortir au bon moment. La politique, c'est un engagement que l'on prend 365 jours par année et que l'on fait par passion, parce qu'il n'y a pas d'autre raison de le faire, je pense, pour notre ville, et par dévouement pour les citoyens et citoyennes. Et je sais donc que c'est avec le cœur lourd que... Je savais que ça allait être compliqué un petit peu. Que Chantal, Natacha et Julie... et fort possiblement Paul aussi, se sont présentés à cette dernière séance ce soir. Une chose est certaine, vous pouvez tous et toutes être fiers du travail réalisé dans les dernières années. Si la Ville de Québec est ce qu'elle est aujourd'hui, une ville fière, dynamique, prospère et forte, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes, incluant vous, qui ont travaillé avec acharnement pour la rendre toujours plus belle et attractive.
Chère Julie, nous avons mené plusieurs combats ensemble et les citoyens de Québec te doivent beaucoup, entre autres pour l'amélioration de leur qualité de vie. Nos bibliothèques connaissent un succès comme nulle part ailleurs en province grâce à ton esprit visionnaire. Nos quartiers sont de plus en plus beaux en raison de la multiplication des places publiques, d'œuvres d'art, d'arbres, de verdure et de plusieurs autres aménagements, tous plus distinctifs les uns que les autres. La protection de notre patrimoine n'a jamais été aussi bien encadrée et d'ici quelques années, nous aurons un réseau cyclable, digne de ce nom, et les citoyens pourront se réapproprier nos rivières. Tu laisses beaucoup de choses en héritage aux citoyens de la Ville de Québec, chère Julie, et je tiens aussi à souligner ton apport aux nouvelles façons de faire dans nos processus consultatifs. Plusieurs des dossiers que tu as menés font consensus dans leurs milieux respectifs et ici, je pense à la Vision Culture 2025, à la Vision Patrimoine et même au PPU Belvédère et Saint-Roch. Dans tous ces dossiers, les citoyens et citoyennes, les acteurs du milieu, ont apprécié ton écoute et le fait qu'ils ont été appelés à collaborer dès les premières étapes. Merci très sincèrement du fond du cœur pour tout. Ma chère Chantal, les plus démunis de notre ville et les gens avec des besoins spécifiques. Te sont fortement redevables. Tu as su contribuer à faire de Québec une ville empreinte de compassion et adaptée aux besoins de tous les citoyens. Le développement social au niveau municipal, c'est une tâche qui est loin d'être facile. Les besoins sont nombreux et les ressources sont malheureusement limitées. Tu as su maximiser nos supports, notre support aux organismes, et grâce à ton travail, nous savons exactement où on s'en va en matière de développement social. Je souhaite également souligner ton écoute et ta collaboration exemplaire avec les gens d'affaires des rues commerciales. Ils savent maintenant que les portes de l'Hôtel de Ville leur sont toutes grandes ouvertes et que nous sommes disposés à les accompagner dans la réalisation de leurs projets respectifs. Merci Chantal, à mon nom et au nom de tous les collègues pour tous les beaux projets que tu as menés pour la ville et tes citoyens. Chère Natacha, derrière moi, il y a une multitude de façons de faire la différence dans son milieu, mais toi, ce que tu as réussi à faire à Vanier, c'est tout simplement extraordinaire. Le vent a tourné, comme tu te plais souvent à le dire, et nous sommes parvenus à changer les choses à l'école secondaire Vanier. C'est en grande partie grâce à toi et à ceux et celles qui t'accompagnaient dans l'initiative Mobilisons Vanier. Le taux de décrochage scolaire est passé de 57 % à 23 % en seulement 5 ans. Les résultats ont rapidement été au rendez-vous et tu peux quitter avec le sentiment de devoir accompli et en te disant que tu auras contribué au succès de plusieurs générations de jeunes actuels et à venir. Je tiens aussi à souligner l'apport de ton esprit entrepreneurial dans les dossiers que tu as amenés à la ville. Suite à la fermeture du CLD, tu as grandement contribué à la création d'une division complète dédiée à l'entrepreneuriat et aux services aux entreprises ici même à la ville. La tâche était loin d'être facile et en peu de temps, je constate qu'une belle synergie a été créée avec nos partenaires du milieu et que nous avons tout ce qu'il faut pour accompagner nos jeunes esprits innovants et les diriger vers les bonnes ressources. Je te remercie très chaleureusement pour ton travail. J'ai aussi une pensée pour notre collègue Laurent Proulx, qui nous a quittés dans les derniers mois pour reprendre l'entreprise familiale et visiblement il réussit très bien et dans multiples domaines. Notre bilan des 4 dernières années t'appartient, cher Laurent, et je sais que tu nous écoutes également et je voudrais te remercier à nouveau ce soir pour la fougue et la passion de jeunesse que tu nous as apportées. Paul, ce soir, c'est ton dernier conseil à toi aussi. Et même si nous avons eu de nombreux désaccords, je veux saluer les nombreuses années que tu as mises au service des gens de Sillery. Je sais que tu aimais profondément tes citoyens et ton quartier. Tu leur as consacré pas moins de 23 ans de carrière, d'abord comme conseiller, ensuite comme maire jusqu'aux fusions municipales, lorsque tu as été élu conseiller dans la nouvelle ville unifiée. Tu connais très bien tous les rouages de la politique municipale à Québec et tu as su y contribuer activement en siégeant sur de nombreux comités. Tu as notamment assumé la présidence du réseau de transport de la capitale de 2002 à 2004, la présidence de la Commission de développement économique et de l'environnement de 2006 à 2008 et tu as été membre de la Commission de développement économique et de l'environnement de 2006 à 2008.
et je ne peux passer sous silence ton travail à titre de chef de l'opposition officielle entre 2013 et 2016. Ceux qui nous ont suivis assidûment se souviendront que nous avons animé de bonnes joutes, je pense, toi et moi. Je te souhaite très sincèrement la meilleure des chances pour la réalisation de tes projets futurs et je parierai, je ne sais quoi, qu'on te reverra un jour en politique. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre dévouement. Et sur une note plus personnelle, ce n'est pas facile de voir partir trois femmes de passion et de cœur. Vous laissez peut-être la politique active, mesdames, derrière vous, mais sachez que vous aurez toujours votre place au sein de la famille d'équipe Labeaume et que vos conseils seront toujours les bienvenus. Vous connaissez nos numéros et je sais que vous êtes prête à relever de nouveaux défis. Et c'est pourquoi toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la meilleure des succès. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'invite maintenant Mme Guéret à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, pour faire de la politique, ça prend certaines caractéristiques. Ça prend une bonne santé, je dirais, pour commencer. Oui, ça prend du courage, comme le dit le maire de Québec. Et ce courage vient souvent... avec une vision, avec des valeurs profondes, avec des convictions, qu'on soit au pouvoir ou à l'opposition ou indépendant, je pense que profondément, chacun des élus ici en cette salle... Y a-t-il quelque chose qui se passe? Ça va? OK. Donc, je crois profondément que chacune et chacun des élus en cette salle ont le goût à la base de participer, le goût de contribuer aux importantes, de prendre part aux importantes décisions qui ont un impact sur notre milieu de vie. Et Dieu sait que s'il y a un palier où il y a un impact majeur sur la vie des gens, c'est le palier municipal et c'est ce qui rend pour moi ce palier aussi intéressant. Aussi important. Nous ne sommes pas nécessairement toujours d'accord, nous n'avons pas toujours été d'accord, mais j'ai beaucoup de respect pour ces trois femmes et mon ancien collègue Paul Chouari qui ont eu un rôle important à jouer dans divers aspects de la vie municipale de notre ville. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous d'être heureux et de relever des défis à votre mesure qui vous rendront pleinement satisfaits, qui vous permettront de continuer à jouer un rôle important dans notre société, mais d'une manière nouvelle et différente. Alors, merci pour ce que vous avez fait et je vous souhaite bonne chance et bon succès et beaucoup de bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Mme Guéret. Monsieur Bussière. Comme indépendant, moi aussi, je veux me joindre à M. le maire pour rendre hommage à trois grandes dames de la Ville de Québec qui ont semé beaucoup dans la ville et ont été entières, effectivement, dans leur dévouement, dans le développement, justement, de chacun des secteurs que vous aviez les responsabilités. Je me suis permis, en cours de mandat, de vous féliciter aussi pour les initiatives que vous avez faites. Et vous avez semé pour la ville et puis ça va pousser et vous avez vraiment travaillé pour le bien commun. Vous avez été dédié, vous avez travaillé avec amour auprès des citoyens et citoyennes de Québec, puis vous êtes exemplaire. Vous avez aussi souligné un grand homme aussi, Paul, qui a fait beaucoup pour ses citoyens, Sellery, impliqué directement dans la municipalité de Sellery avant les fusions, puis par après, on était collègues aussi à l'opposition.
Il y a celui dont je suis au siège, M. Hippo, qui nous a quittés un petit peu avant. On a eu peut-être quelques petites, mais il y en a pas moins que c'est un jeune homme qui est intelligent, qui probablement aura de la réussite dans la vie. Avec en terminant, merci, félicitations, et vous êtes des femmes exemplaires, des femmes extraordinaires pour la Ville de Québec. Merci. Et merci. Un homme aussi. Merci, M. Bussière. D'autres interventions sur le sujet principal de M. le maire? Est-ce que j'ai d'autres interventions? Madame Lemieux? Excusez-moi, j'étais dans mes émotions. Écoutez, c'est particulier, vraiment, c'est spécial comme soirée pour nous quatre femmes, un homme, effectivement, qui se sont donnés à fond hein, pendant des années à la vie municipale, à la vie publique aussi. Moi, je me souviens, en 2009, quand je suis arrivée, j'étais assise à la place de mon collègue Rémi Normand. Et puis, je dois vous avouer là, que j'étais complètement terrorisée les premiers mois. Les premiers mois, je me disais comment je vais faire pour me lever, pour prendre la parole, pour exprimer mes idées, pour défendre mes projets. Je trouvais ça très, très, très intimidant, cette salle-là. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, parce qu'à la télé ou quand on a... Mais c'est quelque chose de se lever et d'exprimer très fort, très haut ce qu'on ressent et ce qu'on veut dans le fond protéger et des dossiers pour lesquels on veut se battre. J'ai vaincu ma timidité avec le temps et j'ai vraiment tellement appris à travers ces 8 années-là. Première année, je me suis enfermée dans mon bureau, puis j'ai lu mes dossiers parce que je voulais savoir de quoi je parlais. Puis c'était important pour moi de pas aller sur la scène publique sans connaître le fond des dossiers. Et puis ensuite, ben, je me suis fait confiance parce qu'on m'a fait confiance. Parce que le maire m'a donné confiance en moi beaucoup. Il m'a donné des ailes, en fait. Il a vu en moi des choses que je ne savais même pas que j'avais. Et puis ben, ça m'a vraiment permis, je crois, de m'élever et de me développer, de me construire comme humain avant tout. Puis ça a été une expérience extraordinaire. Et moi, je peux vous le dire, et je le répète, je l'ai dit quand j'avais annoncé que je partais, la politique, ça peut être beau, ça peut être noble. On fait tous ici ce métier-là pour les bonnes raisons. On y croit depuis le début. Et il en faut des gens. Il en faut des gens qui vont nous représenter comme ça dans les instances politiques. Et puis moi, je lève mon chapeau à tous mes collègues. J'ai adoré. Vous êtes ma famille. C'est ce qui est le plus triste pour moi ce soir, c'est un peu de couper le cordon avec des gens que j'aime beaucoup. Le maire en premier lieu, qui est devenu mon grand ami, et tous mes collègues également, particulièrement à Beauport avec Marie-France et Jérémy. On a travaillé ensemble beaucoup ces dernières années. Donc, merci à l'équipe La Bombe. Merci aux gens de l'opposition aussi d'avoir. En général, je pense que nos débats ont été respectueux. C'est vrai que vous nous avez appuyés aussi sur des dossiers des fois plus épineux, plus difficiles. Et puis, ça, je l'apprécie beaucoup. Là, je n'embarquerai pas dans la famille parce que je vais me mettre à pleurer pour vrai, parce que c'est dur la politique pour la famille. C'est dur pour la famille. Puis, mais en même temps, eux aussi apprennent à travers ça, mais je les remercie du fond du cœur pour leur patience, puis pour leur compréhension. Puis c'est pas toujours évident, mais ils ont été des supporters dès le début. Donc, c'est pour moi, c'était essentiel, et puis ils ont toujours été là. Ma grande découverte à travers ça, c'est les professionnels de la ville. Je vous dirais, les professionnels, les fonctionnaires, la direction générale. C'est des gens tellement compétents à la Ville de Québec, qui ont le cœur sur la main, le petit bateau tatoué, pour toujours. Puis ça, ben, ma grande fierté, c'est d'avoir réussi à établir une relation vraiment très forte et très solide avec ces gens-là et de construire ensemble la ville. C'est des gens qui ont des idées extraordinaires. Et puis ce soir, je voudrais aussi les saluer, leur lever mon chapeau pour leur dévouement, leur dire à quel point ça a été agréable de travailler avec eux. Puis eux aussi vont manquer parce qu'ils sont aussi partie de ma famille maintenant. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, j'aimerais remercier Madame la Présidente. J'aimerais vous remercier pour le travail extraordinaire que vous avez fait ces 4 dernières années. C'est pas facile de diriger une équipe comme celle-là. Et vous avez donné beaucoup d'assurance à nous tous, en fait, en assurant des débats sains et respectueux. Donc, merci aussi. Et aux citoyens de mon district, évidemment, en terminant, un énorme merci parce que c'est un privilège de pouvoir représenter des gens de cœur, de passion, comme les gens de mon district de Seigneurial, de Chute Montmorency Seigneurial, qui m'ont élu à presque 77 % la dernière fois. Tu sais, c'est quand même une belle vague d'amour, puis ça m'a vraiment donné aussi beaucoup de courage pour continuer. Donc, merci pour leur confiance. Et j'ai envie de vous dire à tous les gens, foncez, osez. La politique, c'est bien, c'est bon,
puis ça peut vraiment nous aider à devenir de meilleurs humains. Donc, on apprend simplement à mieux se connaître à travers cette expérience-là. Puis, je me dis, bien, allez au bout de vos rêves. Puis, si vous avez envie de le faire, bien, n'hésitez pas parce que vraiment, c'est très enrichissant. Donc, merci à tous, à tous les collègues et aux journalistes, un petit mot aussi pour leur souligner leur professionnalisme. Merci. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Vraiment, merci. Mme Gilbert? Oui. Merci, Mme la Présidente. Je veux déjà d'emblée joindre ma parole à Julie Lemieux pour vous remercier pour votre travail. C'est vrai qu'il y a eu un énorme changement avec votre arrivée ici. On s'est senti bien encadré, bien outillé aussi, bien guidé. Alors, je vous remercie pour vos paroles, toujours votre grande sérénité au poste que vous occupez. Merci. Je remercie tous mes collègues ici présents, l'équipe Labaume et les gens de l'opposition. Je vais m'adresser principalement peut-être à mon équipe que je connais davantage, qui sont devenus avec le temps des amis, qui sont devenus des gens qui m'ont fait confiance dans le cadre de mes fonctions. Le maire qui m'a confié des dossiers qui m'ont vraiment fait grandir, des dossiers auxquels je ne m'attendais pas. Moi, m'occuper du développement social, il n'y avait rien qui m'avait préparé à ça dans ma vie. Je venais d'un autre milieu complètement différent. Et je me suis rendu compte que ça faisait, je ne sais pas, ce que le maire avait lu en moi, ce qu'il avait perçu, parce que j'ai découvert que j'avais vraiment une passion par rapport à ça, de m'occuper des gens, m'occuper des gens les plus démunis. Vous savez, je vous ai souvent peut-être abâché un peu les oreilles avec ça, en vous disant de ne jamais oublier qu'il y a des gens qui sont plus démunis que les autres dans notre société. Il y a des gens qui sont chanceux, il y a des gens qui ont, et nous en faisons partie, mais il y a des gens qui le sont beaucoup moins, et c'est pour ceux-là que je pense que nous devons travailler le plus fort, que nous ne devons jamais oublier. C'est des gens qui n'ont pas de voix, souvent, qui ne l'utilisent pas, qui ne savent pas comment l'utiliser. Alors, je quitte en sachant que j'ai la fierté d'avoir déposé une vision du développement social. Je pense que c'est le plus beau legs que je peux faire, mais qui doit continuer à vivre. Et dans cette vision-là, j'espère que vous allez continuer à vous en inspirer puis l'utiliser pour faire, vous assurer que dans chacun de vos quartiers, les gens les moins bien nantis aient une voix, une voix en vous. Alors, je voudrais remercier vraiment les fonctionnaires de la Ville de Québec. Moi, j'ai découvert des gens extraordinaires. J'ai travaillé avec des gens et je peux assurer maintenant, publiquement et devant tout le monde, que la Ville de Québec est entre bonnes mains. Parce que j'ai des gens extraordinaires qui s'occupent du développement social, de l'habitation, du développement économique. On a un directeur général aussi qui a fait un travail extraordinaire. Monsieur Legault, je vais m'ennuyer de vous et de toute votre équipe. Alors, je ne peux pas nommer tous les noms des gens qui m'ont tellement secondé et bien secondé au niveau des fonctionnaires. Ce serait trop long, mais je veux qu'ils sachent ce soir que je les oublierai jamais. J'ai une pensée très importante pour les organismes avec qui j'ai travaillé en développement social, avec les SDC, les directeurs, les conseils d'administration de ces organismes-là, les GRT qui développent le logement social, l'OMHQ, sur lequel je siège et qui est un organisme qui est vraiment exemplaire dans notre ville. Et là aussi, je peux vous assurer que la table, elle est propre. Notre relation avec les organismes sociaux de la Ville de Québec, elle est excellente. Alors, elle est excellente pourquoi? Parce qu'on les a écoutés, on les a entendus, et ils le savent qu'on les écoute et on les entend. Alors, je pense que c'est important que vous sachiez qu'on a des organismes extraordinaires, mais il faut être là pour les écouter. Et encore une fois, à mon fils, à ma famille, à ma grande famille que je vais enfin retrouver, mais à tous mes collègues d'équipe Labaume, vous êtes une équipe extraordinaire. Je débarque d'un beau bateau, je vous oublierai jamais. On a été plus qu'une famille, vous avez été plus que des collègues pour moi. Vous êtes vraiment très important et je vous souhaite la meilleure des chances. Monsieur Chouari, bonne chance dans votre nouvelle vie. Merci. Merci beaucoup, Mme Gilbert. Madame Jean? Bon, c'est mon tour. Écoutez, c'est pas facile, je pense, pour Julie et moi ce matin. Puis je pense qu'on s'est croisés dans le corridor, puis on avait le même sentiment, on n'avait pas très, très bien dormi, même si c'est un choix qu'on a fait sciemment, qu'on a bien réfléchi.
comme tu le dis, Chantal, c'est pas évident de quitter un beau navire et une belle famille comme ça. De mon côté, je me suis promis que je n'allais pas brailler, alors vous êtes tous témoins si je brise cette promesse-là. Parce que c'est vrai qu'on travaille vraiment avec notre cœur. Hein. Des fois, on parle beaucoup de la politique sur nos bilans financiers, puis sur beaucoup d'éléments qui comptent, c'est certain. Mais ce qui compte le plus, je pense, c'est le cœur qu'on met dans ce travail-là. Puis, je remercie vraiment M. le maire, que je connais depuis plusieurs années. Vraiment, ça m'a permis de vivre une opportunité exceptionnelle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mandats qui peuvent nous permettre d'être challengés, autant sur le plan, évidemment, intellectuel, mais sur le plan humain également. Donc, merci de m'avoir fait confiance. Et puis, non seulement j'ai beaucoup appris à vous côtoyer, je pourrais dire également que j'ai été témoin de l'énergie, la foi que vous avez. Je pense que tous ensemble réunis, on n'arrive pas à vous accoter au niveau de vraiment de votre vision, votre énergie. Et je pense que ça, ça nous a vraiment permis de passer des mandats plus faciles parce qu'on avait le goût d'être derrière vous avec votre amour puis votre vision pour la ville. Je pense que c'est une belle fierté pour nous de vous accompagner là-dedans. Et un élément, je pense que les gens ne savent pas autant, peut-être que nous qui avons la chance de vous côtoyer presque quotidiennement, c'est votre grand cœur, mais je pense que Chantal, tu en as parlé un peu. Il y a Albert Einstein qui dit que le progrès, ça ne sert à rien tant qu'il va avoir un enfant malheureux. Bien, j'ai l'impression que vous incarnez beaucoup ça. T'sais, je vous sentais émotif tout à l'heure parce que vous le savez, je pense que nous trois aussi, je pense qu'on est très portés. On représentait des gens qui ont eu des parcours difficiles. On sait d'où on vient aussi. On sait également qu'il y a encore des gens qui ont des besoins. La personne, je pense, au sein du caucus qui est plus à l'écoute de ça, quand on parle des besoins des gens qui ont besoin, justement, qu'on les défende, c'est vous. Donc, vraiment, merci. J'espère que vous allez toujours être à l'écoute. Puis, en même temps, je ne suis pas vraiment inquiète de ça. Donc, merci pour ça. Puis, à Vanier, comme vous le savez, c'est un des secteurs où il y a plus d'enjeux socio-économiques, beaucoup de défavorisation. Et je m'adresse vraiment aux citoyens de Vanier là, qui m'ont accueilli à bras ouverts sans me connaître. C'est sûr qu'ils étaient déjà la plupart des grands fans de M. Labeaume. Je suis très consciente de ça. Ils m'ont vraiment fait confiance très rapidement. Et dès le premier jour, là, je me suis sentie vraiment engagée, collée aux besoins des gens de Vanier. Je pense que les gens autour de moi même m'ont trouvé un peu difficile parfois parce que mon urgence, le besoin que je sentais d'aider ces gens-là peut-être était parfois difficile pour nos équipes à l'arrondissement. Puis, nos équipes, évidemment, sur le terrain, mais pour moi, je me suis vraiment mis à leur place, puis je pense avoir occupé ce rôle-là de la même façon que je voudrais être servie aussi, moi, au niveau des élus. Donc, j'ai jamais perdu de vue que j'étais là pour eux, puis vraiment, j'espère qu'ils l'ont senti. Alors, merci beaucoup au directeur de l'arrondissement, Patrick Bastien, toute son équipe, Madame la Présidente. Sans eux, notre travail n'aurait pas de sens, parce que ça, oui, je pense qu'il y a la vision, oui, il y a évidemment la pensée politique, mais sans leur énergie, puis vous en avez parlé toutes les deux, ces gens-là ont vraiment à cœur le bien de nos citoyens. Alors, merci à eux et les organismes sur le terrain, vraiment, vous faites un travail, une job vraiment exceptionnelle. Et vraiment, nos collègues, quelle belle famille, quelle belle rencontre on a eue, puis j'espère qu'on va se recroiser tous et toutes. Je voudrais vraiment remercier également la gang de développement économique, l'entrepreneuriat, ils mobilisent vraiment efficacement les gens sur le terrain. Eux aussi, on a vraiment besoin d'eux, puis ils ont travaillé tellement fort. J'ai un salut particulier quand même à mes collègues de l'arrondissement, Dominique, Jonathan, parce qu'on ne se connaissait pas du tout quand on s'est en 2013, et puis on représente des districts très différents, on a des parcours, puis des... je sais, Jonathan, tu n'aimes pas ça quand je dis ça, mais on a quand même des façons de développer très différentes, et pourtant, je pense que très rapidement, on a travaillé vraiment en convivialité, en synergie, vraiment là, une belle équipe, puis les gens de l'arrondissement, je pense, ont senti ça. Alors, merci vraiment, Dominique, Jonathan, pour vous deux, là, ça a été exceptionnel, notre trio d'arrondissement des Rivières. Alors, en terminant, moi, je n'imiterai pas Julie. Je pense quand même que... je comprends pourquoi tu l'as fait, mais je pense qu'on ne peut pas faire cet investissement-là en politique sans nos familles, sans nos amis. Écoutez, c'est incontournable. J'ai ma mère qui m'écrit avant le conseil, bon dernier conseil. Il m'écoutait d'ailleurs du Lac-Saint-Jean. Je pense qu'il y a des amis aussi qui n'ont pas beaucoup vu depuis notre entrée en politique, qui sont encore derrière nous. Alors vraiment, merci. Mme Guérette en a fait allusion également. M. Chouari, je pense que c'est le cas également. 23 ans, imaginez. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour des parcours comme ça. Alors merci à tous ceux qui ne nous ont pas abandonnés, qui nous ont encouragés à le faire. Je termine en disant que ma petite-fille est vraiment déçue, par contre, que je ne revienne pas pour un autre mandat. Elle aimait beaucoup rencontrer le bonhomme carnaval très régulièrement et avoir de la liqueur gratuite à la maison en île à la fête de Québec. Mais je pense que nos enfants aussi ont vu que la politique, c'est aussi la possibilité de changer les choses, d'améliorer la vie. Puis c'est pas seulement aussi...
C'est pas seulement des titres dans les journaux, qu'il y a vraiment des gens derrière avec honnêteté qui travaillent au bien-être de la population. Puis je sens déjà chez eux, chez les amis de mes enfants, le désir de faire des projets, puis peut-être eux-mêmes prendre de la place. Alors, bienvenue aux filles en politique, parce que je pense qu'il y a de la place aussi pour des filles sensibles comme nous autres. Donc, j'espère qu'il va en avoir encore dans les années à venir. Puis merci également, Madame la Présidente, pour votre excellent travail. Merci. Merci à vous, Madame Jean. Est-ce que d'autres personnes souhaiteraient s'exprimer? Monsieur Chouari. Merci, Madame la Présidente. Bien, premièrement, Monsieur le maire, merci pour vos bons mots. C'est très apprécié, très gentil de votre part, compte tenu de certains débats que nous avons eus dans les trois années où j'ai été chef d'opposition. Pardon. Débats quand même qui, ont fait avancer les choses et nous ont permis d'échanger sur divers sujets au fil des ans. J'ai commencé en 1990 comme conseiller municipal à 34 ans. Alors, je pense que c'est important que je dise ce soir, parce qu'à 34 ans, il faut le faire. Alors, et j'ai été élu un 4 novembre 1990, c'était tout nouveau, je n'avais jamais fait de politique. Je compte parce que vous allez trouver la suite intéressante et ça va certainement vous interpeller. Le 5 novembre, le lendemain de mon élection, j'ai eu la plus grosse tempête de l'année, la tempête de neige, et là, les téléphones ont commencé, je n'étais même pas assermenté. Alors, je m'en souviens encore comme si c'était hier, pardon. Oh oui, c'est ça, je devrais suivre mes conseils. Alors, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et on l'apprend à tous les jours. Et je tiens à souligner, moi aussi, s'investir en politique, et surtout en politique municipale, c'est tout un investissement. C'est un investissement personnel, c'est un investissement, évidemment, professionnel, mais familial également. Et on est politicien 7 jours sur 7. Je disais toujours à mon épouse, à l'époque, « Tu sais toujours à quelle heure je pars pour aller à l'épicerie, mais tu ne sais jamais à quelle heure je vais revenir. » Parce que des fois, aller chercher un pain et une peine de lait, ça pouvait prendre 1 heure, 2 heures. Et je suis très sensible à ce que mes collègues qui se représentent vivent actuellement. Actuellement, lorsque vous allez à l'épicerie, je pense que vous passez beaucoup de temps à jaser avec les gens. Alors, je veux vous remercier pour vos bons mots. Merci aussi Anne, la chef de l'opposition. Mes collègues, Yvon, tous mes collègues au conseil municipal, je veux vous remercier pour les 4 dernières années. Certains d'entre vous, comme Yvon, ça fait longtemps qu'on se connaît, Yvon... tu étais un élu dans l'ancienne ville de Québec. J'étais à la ville de Sillery, comme maire de Sillery, lorsqu'on s'est connus. Alors, on se croisait dans les activités intermunicipales, parce qu'il y avait beaucoup de collaboration entre les villes. On avait des comités ensemble. On s'est connus par la suite dans la nouvelle ville. Je pense que c'est à ce moment-là que tu as commencé à présider le conseil. Alors... et ça me permet, Madame la Présidente, de vous féliciter également pour votre travail, parce qu'effectivement, je pense que vous avez été très patiente. Très patiente, puis vous avez fait un excellent travail. Il y a des soirées que ce n'était pas facile, j'en conviens, mais je dois reconnaître, après 4 ans, que vous avez très bien fait ça. Merci Bravo. Beaucoup, M. Chouari. On entre en politique et on fait de la politique, en tout cas, pour ma part, les raisons pour lesquelles j'ai commencé à en faire en 90, c'est parce que bien, on a le choix dans la vie. On peut rester chez nous, lire les nouvelles, puis dire, ah, on n'est pas content de la façon que ça marche, moi, je fais ça différemment. Ou on peut dire, bien, moi, je plonge, je m'investis et je travaille à faire changer les choses. Je pense que c'est ce qui motive tous les élus ici ce soir. Je pense que c'est ce qui motive toutes les personnes, candidates et candidats, qui se présentent à l'élection du 5 novembre. Et je pense qu'on doit le souligner, c'est méritoire, c'est important. Et moi, ce qui me rapportait le plus dans ces 23 ans, jusqu'à aujourd'hui et encore ces jours-ci, c'est de pouvoir aider les gens, de pouvoir répondre aux besoins des gens, les aider, les guider à travers l'appareil municipal, avec les nombreux services qu'offre la municipalité, travailler avec les gens de la fonction publique municipale. Et j'en profite pour vous dire, M. Legault, que la Ville de Québec a une bonne fonction publique municipale. Les employés sont dévoués, travaillent fort, et ce, à tous les niveaux.
que ce soit à la ville, au central, à l'arrondissement, l'école bleue, l'école blanc, les policiers, les pompiers, tout le monde travaille fort et on a une excellente fonction publique à Québec. Mais à travers tout ça, ça prend des élus. Ça prend des élus pour aider les citoyens, les citoyennes. Et moi, c'est ce que je trouve. Quand on réussit à aider les gens, on n'obtient pas toujours tout ce que les gens veulent, mais quand ils se sentent appuyés, aidés, accompagnés, bien, souvent, on reçoit un merci à la fin ou en cours de route, où on sent une satisfaction chez les gens. Et ça, je pense, c'est notre reconnaissance, c'est notre récompense. Moi, c'est ce qui m'a alimenté pendant toutes ces années. Je le fais encore. Tous les jours, je rentre à l'arrondissement et puis on a des demandes, des requêtes, des plaintes. Et on essaie d'aider les gens du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est ce qui nous nourrit, en plus de vouloir, comme j'ai exprimé, changer les choses et faire mieux. Alors, merci à vous tous. Merci aux citoyennes et citoyens de mon district, de Saint-Louis-Sylvie, que j'ai représenté et que je vais représenter encore pour quelques semaines. Merci pour l'expérience que j'ai vécue. Merci à ma famille. Je sais que ma mère écoute ce soir, elle écoute tous les conseils municipaux. Alors, après chaque conseil municipal, je vais rendre visite à ma mère. Puis là, elle passe ses commentaires. « Ouais, ça c'était bon, ça c'était moins bon, tu n'aurais pas dû dire ça. Ouais, ça c'était intéressant. » Alors, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et ça, c'est un autre signe que la vie politique municipale est très active ici à Québec. J'en entends parler. Une des surprises que j'ai eues dans les 4 dernières années, c'est, bon, dans les derniers mandats, j'étais connu un petit peu dans mon coin, dans mon quartier. Mais comme chef d'opposition, évidemment, on est à la télévision beaucoup. Et on se promène à travers la ville, puis les gens nous interpellent. Les gens nous arrêtent, puis nous parlent, puis ils se mettent à nous parler des dossiers de la ville. Alors, comme je vous disais, on travaille 7 jours sur 7, et c'est très gratifiant, c'est très intéressant, mais c'est très prenant aussi. Alors, merci à vous tous. Pour ceux et celles qui continuent, bonne chance, bonne continuité. Je sais qu'il y a une élection qui s'en vient. Pour mes collègues qui quittent, Julie, Natacha, Chantal, merci de votre contribution, merci de votre implication. Bonne chance dans la suite de vos différents projets. Ça a été agréable de travailler avec vous et merci encore. Merci. Merci, M. Chouari. D'autres interventions? Non, dans ce cas, j'inviterai Mme Guérette en intervention principale. Merci, Mme la Présidente. Alors, on va rester un peu dans le ton. On ne sera pas trop loin de ce dont on discute depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, c'est une journée spéciale. C'est la journée du dernier conseil municipal du mandat actuel. Effectivement, certains d'entre nous ont choisi de ne pas renouveler leur mandat, tandis que d'autres, comme moi, avons fait le choix de nous présenter dans l'objectif de continuer de servir nos citoyens encore 4 ans. Nous sommes toutes et tous animés d'une volonté de gagner, c'est sûr, mais personne ne connaît d'avance les résultats du 5 novembre prochain. Une chose est certaine, ce sont les citoyens qui vont décider. Chaque élection est importante, mais celle-ci revêt un caractère particulier et je suis convaincue que les citoyens de Québec souhaitent de plus en plus jouer un rôle important, un rôle principal et non secondaire. Il y a 2 approches, à mon avis. L'approche de ceux qui pensent que on n'a plus le choix d'embarquer le monde aujourd'hui, ou encore l'approche qui prend de plus en plus de place de ceux et celles qui souhaitent régénérer et renouveler la démocratie municipale par la création de nouveaux espaces de participation citoyenne en les plaçant au cœur des décisions. Cette nouvelle forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décisions politiques, c'est ce que j'appelle la démocratie participative. Il y a de plus en plus de mouvements citoyens, il y a de plus en plus de villes,
qui deviennent des lieux d'innovation politique et qui inaugurent des formes nouvelles de gouvernance. L'Institut du Nouveau Monde, entre autres, récemment rappelait que le citoyen ne souhaite plus que son droit de vote soit le seul moment où il est impliqué dans le processus décisionnel. Les gens souhaitent de plus en plus participer entre deux élections. Il y a le sociologue M. Blondiot, qui est professeur à la Sorbonne à Paris aussi, qui dit que les villes sont devenues les lieux de l'innovation politique. Et que c'est à l'échelle municipale que la démarche participative se diffuse le mieux. Alors, je trouve ça très enthousiasmant quand je lis le fruit de recherche comme celle-là. Et de plus en plus d'experts le confirment. Et je vais revenir à un livre. Donc, vous savez, quand on est un élu, on a beaucoup de choses à lire. Pour notre travail, donc on n'a pas beaucoup le temps de lire les livres pendant le travail. Les périodes où on peut lire le plus, moi en tout cas, c'est toujours le temps des fêtes et pendant l'été. Et c'est là que j'ai le temps de lire des livres. J'ai plusieurs livres fétiches, c'est sûr que je ne lis pas beaucoup de romans. J'aime les livres qui vont nous inspirer des visions d'avenir ou des nouvelles approches politiques, économiques, etc. Et il y a un livre ici que j'ai acheté. C'est un des premiers livres que j'ai lu en 2008. Et c'est le maire Labeaume lui-même qui avait parlé de ce livre-là qu'il avait lu en 2008, qui s'intitule « La sagesse des foules ». Donc, il est venu nous parler de sa lecture ici au conseil municipal. Et moi, je suis allée l'acheter immédiatement, je l'ai lu et j'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai lu dans ce livre qui est pour moi une source d'inspiration et qui confirme justement le fait qu'il y a une sagesse collective qui s'exprime et c'est important d'être à l'écoute de cette sagesse collective qui s'intègre justement dans les principes de démocratie participative. Je fais quelques citations de ce livre, entre autres, qui dit que les décisions concernant les problèmes locaux devraient revenir autant que possible aux personnes qui sont proches du problème. Les gens qui disposent d'un savoir local sont mieux placés pour trouver une solution réaliste et efficace. Voilà donc comment la participation citoyenne au niveau municipal peut s'exercer. On dit aussi que dans des circonstances favorables, les groupes sont remarquablement intelligents et souvent plus encore que les personnes les plus intelligentes entre elles. Il affirme également que faire la chasse à l'expert, chercher l'homme qui aura la réponse à un problème, est une perte de temps. La décision de groupe sera en général meilleure que celle de la plupart des membres du groupe. Alors, pour moi, Madame la Présidente, les citoyens qui s'expriment sont majoritairement des gens qui ont des idées, qui veulent et qui peuvent contribuer à améliorer et bonifier les projets et les décisions. Je conclue, Madame la Présidente, en vous disant que ce que je souhaite pour notre ville, c'est que Québec soit une ville à l'écoute, une ville ouverte qui porte les projets de ses citoyens. Ce que je souhaite pour notre ville, Madame la Présidente, c'est que Québec soit une ville qui porte le projet ambitieux de se donner une gouvernance moderne, inspirée des nouveaux modèles qui prennent de plus en plus leur place dans les villes à travers le monde. En terminant, tout à l'heure, on a salué les gens qui quittaient, donc j'aimerais en quittant souhaiter à tous les élus qui ont fait le choix de continuer une fructueuse campagne électorale qui vous permettra à chacun et chacune de connecter, de prendre un bain de citoyen, de connecter avec le citoyen, de faire valoir vos idées, votre vision et vos aspirations pour cette ville avec ces citoyens pour qui on a, bien sûr, pour ces citoyens et cette ville pour qui nous avons certainement toutes et tous beaucoup d'amour et qu'on veut continuer à servir. Merci, Madame la Présidente. Merci. En première réplique à l'intervention de Madame Guérette, Monsieur le maire. Madame la Présidente, j'ai
Il y a une chose que je retiens, moi, depuis que je suis en politique, ça fait 10 ans. Tu ne peux pas être efficace en politique si tu n'aimes pas les gens. Ça a l'air simple, ce que je vous dis, là. Tu ne peux pas être efficace si tu n'aimes pas les gens. Et quand on n'aime pas les gens, ça paraît rapidement, parce que c'est ça la sagesse des foules. C'est de sentir, au-delà des paroles, au-delà des gestes, si on les écoute. Parce que lorsque vous les aimez, vous les écoutez. Je pense qu'il faut tenter d'être moderne, de répondre aux nouveaux paradigmes de notre société, il n'y a pas de doute. Il faut tenter de faire les changements nécessaires pour être en harmonie avec les nouvelles mentalités, les nouveaux comportements. Mais on ne peut pas mettre sur le dos des structures quand les choses ne vont pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, en politique municipale, vous êtes compétent si vous aimez les gens, parce que vous les écoutez, mais surtout, vous les écoutez pour vrai. Et vous vous mêlez à eux. Alors, la sagesse des foules, c'est justement le sentiment des individus qui, ensemble, ont une belle intelligence, une très belle intelligence. Mais l'intelligence, ça ne se mesure pas seulement au quotient intellectuel. Il y a ce qu'on appelle, et c'est ce que j'aime, de travailler avec des femmes élues, parce que les gars leur sont un peu moins, puis c'est mon cas aussi, messieurs, ne vous en faites pas. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est important, ça. C'est tellement important. C'est important, puis c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes en politique, parce que, puis je le dis pas pour être flagorneur, parce que j'ai trois de mes collègues femmes qui s'en vont. Paul, t'es quand même un gars, là. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est important parce que les gens la sentent. Alors, oui, les structures, quand c'est nécessaire, sauf qu'au point de vue local, les structures ont de l'importance, mais pas tant que ça. La structure, c'est important pour encadrer, mais chez l'humain, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est de les aimer, puis quand tu les aimes, tu les comprends. Puis c'est comme ça que tu prends les bonnes décisions. Parce que les mauvaises décisions qu'on a prises, nous autres, puisque ça nous est arrivé rarement, mais ça nous est arrivé quand même, je blague, bien, c'est parce qu'on n'était pas au diapason. On avait mal compris les gens. On n'avait pas suffisamment écouté. On n'avait pas suffisamment à discuter avec eux. Alors, ce que je veux vous dire, oui, les structures, on peut changer des structures, mais ça ne changera absolument rien au fait que notre premier travail, puis notre première source d'intelligence, c'est la population puis l'être humain. Alors, je serai toujours ouvert à moderniser nos façons de faire, mais ça ne la reportera jamais sur notre capacité d'écouter. Merci. Merci, M. le maire. D'autres interventions sur le sujet principal de Mme Guérette? Non? Dans ce cas, j'invite Mme Lemieux en intervention principale. Oui, Madame la Présidente, on a parlé tout à l'heure des remerciements. En fait, je pense que c'était nécessaire. J'aimerais peut-être faire un petit bilan aussi des réalisations. Je pense que c'est la dernière occasion que j'ai de pouvoir vous en parler. Et puis, je dois admettre que je suis pas mal fière de ce qu'on a réalisé ensemble depuis 8 ans. À partir des bibliothèques, justement, comme le maire le disait, qui ont le vent dans les voiles, on a, ça, je pense que c'est ma plus grande fierté. Parce que ça touche nos jeunes, parce que ça touche la relève, parce que ça touche la connaissance, la culture. Et puis, quand je suis arrivée en 2009, on m'avait dit qu'il fallait, c'est des gens de l'externe qui disaient, des professionnels, qu'il fallait fermer la moitié des bibliothèques de la ville et puis qu'on soit juste des grandes bibliothèques. Oui. Bon. Puis moi, j'avais des doutes là-dessus. Oui. J'étais vraiment pas certaine de ça. Puis je me suis vraiment renseignée beaucoup. J'ai travaillé avec les équipes aussi. Puis on en est venu à la conclusion que non, tu sais, il fallait pas fermer les bibliothèques, il fallait plutôt investir dans nos bibliothèques, les rénover, les remettre à jour, parce que la plupart étaient datées des mêmes années, puis on avait besoin de renouveau. Puis c'est ce qu'on a fait avec Monique Corriveau, avec la Maison de la littérature, avec Tournesol, Saint-Charles, Fernand Dubon, qui est une nouvelle bibliothèque dans mon district, du Berger, Claire Martin, qui est dans Saint-Jean-Baptiste, Gabriel Leroy qui vient d'être annoncé, Étienne Parent qui s'en vient, et à chaque fois, c'est un succès. Donc, ça, vraiment, j'ai l'impression qu'avec le service de la culture, on a fait beaucoup, avec l'Institut canadien aussi.
puis je suis contente d'avoir contribué à ça, à cette réflexion-là. Contente aussi, en matière de patrimoine, d'avoir réussi à aller chercher une vision qui suscite l'adhésion de la base, des gens qui sont là-dedans à temps plein. Ça a été un bel exercice qu'on a fait, puis je pense que c'est un... Toutes les visions, en fait, qu'on a faites ensemble ces dernières années nous ont permis de paver la voie aux réalisations, parce que c'était des visions, oui, qui avaient des idées, mais il y avait aussi des actions qui étaient toujours accolées à ça. Et je pense que c'est comme ça qu'ils font fonctionner dans une ville. Et tous les professionnels ont travaillé dans cette direction-là. Et je pense que ça, à chaque fois, c'est un succès. Donc, je pense à l'art public. On a rivalisé tous nos engagements par rapport à l'art public. La vision de l'art, bien, on a doublé les investissements. La vision des déplacements à vélo, on sait où on s'en va maintenant avec ça. Là, c'est assez clair. Puis, on va investir à chaque année dans les prochaines années. Puis, je pense qu'on avait besoin de se donner ce cadre-là. Les PPU, Belvédère, Saint-Roch, on est allé chercher l'adhésion des citoyens, des élus du district aussi, parce qu'on a consulté en amont, changé les façons de faire. Je pense que c'était nécessaire aussi. Les nouvelles places publiques, les places éphémères, moi, je trouve ça génial. Je suis contente que le maire ait envie de continuer dans cette voie-là, parce qu'on s'est donné une signature à Québec avec ces places-là, puis c'est pas fini, là. C'est vraiment, les gens sont en demande. Révision de la consultation, de la politique de consultation publique, il fallait le faire. On savait qu'on n'était pas parfait. On s'est posé beaucoup de questions, puis ça va juste s'améliorer aussi dans les prochaines années. J'ai contribué aussi à l'émergence de 3 festivals importants, quand même, festival d'opéra, festival de cinéma, festival de littérature. Tu sais, je disais toutes les réalisations ce matin, puis je me disais, ouais, c'était soufflant. Il y en a quand même beaucoup, mais ça a été tellement stimulant. J'ai participé à l'image de Marc avec l'accent d'Amérique, tellement intéressant de faire ça aussi, de se demander qu'est-ce qu'on est comme ville, qu'est-ce qu'on veut projeter comme image. La table de concertation avec tous les partenaires, qui est vraiment une table tellement intéressante aussi, puis qui va durer, j'en suis convaincue. Bon, les aménagements, j'en ai parlé. La classification des nouvelles casernes, ça, c'était pas acquis, ça. On a travaillé fort, le maire et moi, là-dessus, parce que sont classées maintenant les nouvelles casernes. On n'a pas encore de vocation, mais c'est fait. Sont classés, ils vont être protégés, puis ça, c'était vraiment important pour nous. Les investissements en patrimoine avec maître d'œuvre qu'on vient d'annoncer avec le gouvernement, maintenant, les gens vont avoir plus de subventions pour entretenir leurs bâtiments dans les arrondissements historiques et aussi religieux. C'était pas... c'est nouveau, tout ça, mais on l'a réalisé. Dans mon district, bien, il y en a aussi d'autres réalisations. Je ne vais pas vous enterrer avec ça, mais je suis contente de la piscine de Giffard, parce que c'était pas évident au début de la déménager, cette piscine-là. Puis maintenant, c'est un parc incroyable, là. C'est un succès méga. Les gens ne croyaient pas trop, mais finalement, ils ont embarqué, puis c'est génial, ce parc-là. Et il y en a d'autres aussi qu'on a conçu à Montpellier, qu'on vient d'inaugurer. Ensuite, terrain de soccer, place publique. Ce qui est beau dans la politique, puis je conclurai là-dessus, c'est que dans le fond, on a la chance de pouvoir construire une ville. On a la chance de pouvoir planter plus d'arbres, de faire des rues plus conviviales, de construire des parcs, des bibliothèques, des centres communautaires. On a la chance de faire avec les citoyens, en plus, puis avec une équipe formidable. Donc, c'est un privilège que j'ai eu pendant ces années-là. Puis encore là, je remercie les citoyens. Et j'ai oublié de dire merci à notre équipe politique, chef de cabinet, Louis Côté, qui est un mentor, et vous le savez tous, extraordinaire pour nous. Il y a une Sylvie, Paul Christian, qui sont toujours là pour nous conseiller. C'est important dans une équipe de se sentir appuyé dans l'ombre en arrière. Et ça, ils ont fait ça de main de maître depuis le début. Ils nous ont fait confiance aussi, ils nous ont donné beaucoup d'outils, parce que c'est pas simple là, d'arriver dans ce domaine-là. Puis, je tiens à les remercier aussi du fond du cœur, parce qu'ils sont devenus des amis, puis ils ont vraiment fait un travail incroyable. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire, sur le sujet de Mme Lemieux. C'est un cas patent extraordinaire, les bibliothèques. Je me souviens, moi aussi, quand on nous a dit « c'est terminé, les petites bibliothèques, ça prend des méga bibliothèques, c'est ça qui attire les gens ». Quand tu es maire de la ville, tu n'es pas expert en bibliothèque, tu dis « ah ouais, c'est comme ça que ça marche maintenant », mais tu sais, tu ne connais pas trop ça, tu as le goût de le croire, mais en même temps, ton feeling, ton cœur te dit que c'est pas sûr, il me semble que c'est pas comme ça, je le sens. Puis, je vais juste expliquer à la population pourquoi c'est important d'avoir des coéquipiers. Moi, dans une journée, j'envoie du monde beaucoup, hein, dans ces jours, mais j'ai jamais le temps comme mes collègues. Pas parce qu'ils ont plus de temps que moi, mais de par la nature de notre travail, bien, ils en voient plus que moi. Puis, je me souviens de ce cas-là, c'était extraordinaire. Puis, oui, comment dire, intellectuellement, je comprenais ce qu'ils me disaient, mais au point de vue, c'est quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et honnêtement, parce que pour ceux et celles qui pensent que je décide tout seul à la Ville de Québec, c'est une méchante leçon des bibliothèques. C'est une méchante leçon. Parce que finalement, je trouvais que c'était pas bête, les affaires. Oui, oui, des belles grosses bibliothèques. Mais non, mais c'était pas ça. On a arrêté complètement à côté de la traque.
Et c'est grâce à Julie, puis les filles en passant, Rwanda Rio puis son équipe sont extraordinaires. Puis ils m'ont expliqué que c'est pas ça. Ça a bien beau être à la mode, là, c'est pas ça qui fait le travail. C'est pas ça qui fait le job. Puis la preuve, c'est que Monique Corriveau, sur le chemin de l'Église à Sainte-Foy, c'était un succès fulgurant parce qu'on a osé. On a osé, on a été audacieux. Puis moi, je suis toujours la même affaire. Quand il y a des affaires nouvelles, je suis un peu conservateur. J'ai toujours 30 secondes de silence en me disant, bon, eh mon Dieu, ça a-tu du bon sens cette affaire-là, là, tu sais? Et dans ce cas-là, on a osé, ils ont été audacieux et audacieuses, parce que je vais le dire, parce que c'était une affaire de filles, puis c'était intelligent. Ça a marché, cette affaire-là. Puis c'était un succès extraordinaire, puis il y a des, comment dire, en politique, c'est dur, la politique, particulièrement à Québec, mais quand tu t'aperçois que le lectorat augmente, c'est les jeunes, ben maudite marde, ça te fait oublier bien des radios, tu sais, hein, alors, vous puis moi, là. Et après-midi, on va annoncer le gagnant du concours d'architecture pour la bibliothèque Gabriel Leroy. Ça va être une splendeur dans Saint-Roch, ça va être un phare dans Saint-Roch, ça va être lumineux. Moi, je veux dire aussi, puis je termine là-dessus concernant la bibliothèque, moi, un des plus beaux moments que j'ai vécu dans les 4 dernières années, c'est l'ouverture de la bibliothèque Fernand Dumont à Saint-Grégoire-de-Montmorin. C'est grand comme ça. C'est grand comme ça, mais c'est intelligent, c'est bien fait. Moi, Fernand Dumont m'a enseigné. C'est un gars qui vient de Saint-Grégoire-de-Montmorency. Son père travaillait à la Domtex, comme 90 % des gens de Saint-Grégoire-de-Montmorency. Et de savoir que maintenant, à Saint-Grégoire, il y avait un satellite de la Bibliothèque de Québec au nom de Fernand Dumont. Son fils était là, d'ailleurs. C'était un des plus beaux moments. Et ça marche aussi. C'est grand comme ça, comme Jean-Baptiste Duberger. C'est grand comme ça, mais ça marche. La preuve que c'est important d'écouter, puis il faut avoir le cœur ouvert d'un fois. Merci. D'autres interventions sur le sujet de Mme Lemieux? Mme Gilbert, allez-y. Je voulais juste rajouter, quand le maire et Julieu parlent des bibliothèques, bibliothèques grandes comme ça, il y a la bibliothèque bientôt qui va être faite au centre du l'ancien résidence du Rocher maintenant, l'ancien centre du Rocher, où on a fait du logement social et tout. Et puis, je sais que ça a été un sujet peut-être un petit peu controversé dans les dernières années, mais d'ici un an, les citoyens vont voir un point de service, une bibliothèque qui va être extraordinaire. Alors, je voulais juste dire que le maire a raison quand il dit, à un moment donné, il faut... c'est bien de rester ouvert, c'est bien de ne pas trop se braquer sur la nouveauté des changements. Une ville, ça bouge, une ville, ça vit, c'est vivant. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent évoluer. Et je pense que cet exemple-là, dans Résidence du Rocher, avec ce point de service bibliothèque, avec 60 logements sociaux aux étages, je pense que c'est un merveilleux exemple de ces nouveaux projets. Merci. Madame Charles? Merci, Madame la Présidente. Je voulais remercier vraiment Julie pour justement son ouverture à ces points de service-là qui se retrouvent dans nos quartiers, mais qui, comme vous disait M. le maire, qui était présent aussi à l'ouverture, la réouverture de la bibliothèque Jean-Baptiste Duberger, Mme Tanguay, mon collègue Jonathan était là également. On a pu voir à quel point les gens étaient attachés à leur bibliothèque, mais surtout, ça dessert une clientèle qui n'ira pas nécessairement dans les plus grandes bibliothèques de destination, qui, pour eux, finalement, ça les aide à se sortir de l'isolement et avoir un accès aussi, ne serait-ce qu'à un poste informatique pour prendre connaissance des nouvelles de des gens de leur entourage ou pour pouvoir appliquer sur poser leur candidature à un emploi. Parce que, vous savez, il y a une fracture numérique dans certains quartiers, dans le quartier Duberger, dans le quartier Vanier. On retrouve cette fracture-là des gens qui n'ont pas Internet à la maison. Nos bibliothèques permettent ça également. Permettent également de, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens se rendent compte, mais il y a énormément d'activités vraiment ludiques, très intéressantes pour nos jeunes qui vivent, eux aussi, pas nécessairement d'activités à l'extérieur de l'école. La bibliothèque a amené ça, une belle valeur ajoutée dans nos quartiers qui en ont grandement besoin. Donc, merci à toute leur équipe. Julie qui a fait vraiment, je pense, des beaux petits bijoux dans nos quartiers. On est vraiment très heureux. Et il n'y a pas une journée, je pense, je sais que ma collègue Dominique Tanguay passe régulièrement devant la bibliothèque. On le voit qu'elle est occupée, qu'elle est vraiment, que les gens du quartier se l'ont réappropriée. Et en terminant, merci aussi d'avoir ouvert la porte à une nouvelle formule de collaboration, parce que le modèle de la bibliothèque Jean-Baptiste Duberger, c'est également un modèle de collaboration avec la table de quartier Duberger et des intervenants du coin. On a ajouté dans le hall d'entrée une table avec
avec un tableau aussi d'informations, des dépliants sur toutes les activités, et c'est très, très fréquenté. Il y a des gens qui peuvent avoir des problématiques, qui peuvent rencontrer des gens. Il y a des petits coins qu'on peut permettre aux organismes du coin de faire leurs réunions, tenir des assemblées générales en dehors des heures d'ouverture. Donc, ça, je pense, c'est une valeur ajoutée aussi. Nos bibliothèques servent également à la lecture, et évidemment, à développer des activités qui allument sur le plan culturel, artistique, nos jeunes également, mais aussi permettre à nos organismes qui n'avaient pas tous les locaux, tout l'environnement nécessaire pour tenir leur activité, de le faire dans ces points-là. Alors, on a eu une belle ouverture à l'Institut canadien, puis l'équipe qui chapeaute les bibliothèques à la Ville. Alors, merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci. Pas d'autres interventions sur le sujet? Dans ce cas, j'invite Mme Gilbert à prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. J'espère que les citoyens ne seront pas fatigués de m'entendre ce soir, mais en tout cas, là, je pensais faire un bilan. Mais c'est la dernière fois. Courage. Mais moi, au début, je pensais peut-être vous faire un bilan un peu, effectivement, de mes dossiers, mais je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire. Je vous ai fait assez régulièrement des états de situation, des SDC, du logement social et tout ça. Je pense que vous en savez suffisamment, et la population aussi. Et vous savez surtout que tout va très bien. Mais je voulais quand même revenir, par exemple, sur l'accessibilité universelle, parce que c'est quelque chose qui est intéressant. On en a parlé dernièrement, on a déposé un plan d'action, mais je pense qu'il y a une donnée que moi-même, j'en ai eu une dernière rencontre de la table d'accessibilité universelle. Vous savez comment ça fonctionne. C'est une table où il y a plusieurs personnes autour de la table qui participent. C'est tous des gens, des représentants d'organismes qui sont des organismes qui représentent des personnes qui ont différentes problématiques en accessibilité. Alors, ça peut être des non-voyants, ça peut être l'accessibilité physique, ça peut être... Il y a aussi, on a maintenant fait une fusion avec la table d'accessibilité des aînés. Donc, on a des aînés sur la table d'accessibilité. Et bientôt, j'ai demandé, mais je l'ai pas, ça va arriver lorsque je n'y serai plus, mais qu'il y a aussi des organismes qui représentent les enfants. Donc là, on peut parler d'accessibilité universelle au sens très large du terme. Et il y a encore quelques années, la table d'accessibilité se penchait sur un ou deux bâtiments ville, c'est-à-dire, par exemple, le centre Le Bourgneuf, on en a parlé énormément, on a parlé beaucoup du centre Vidéotron, et on a gagné des prix avec ça aussi, parce qu'on était exemplaires par rapport à ça. Mais maintenant, ce que je veux que vous sachiez, et c'est même, la table est très fière de ça, et la table remercie aussi la ville pour cette ouverture-là. Maintenant, juste pour vous dire, tout ce qui va se construire, et Dieu sait qu'on va en construire dans les prochaines années, beaucoup de nouveaux centres communautaires. Je vais vous en nommer quelques-uns. Le centre communautaire Saint-Roch et le YMCA, le centre communautaire Bardi, centre communautaire, Madame la Présidente, c'est chez vous, centre communautaire des Roses qui a été construit, excusez-moi, le centre Le Pivot, l'arpidrome qui a été fait, bien sûr, avec ça, ça a été toujours sous la loupe de la table d'accessibilité universelle, le pavillon de service de Pointe-aux-Lièvres qui s'en vient, la place publique Jean Béliveau, la table de concertation a pu s'y pencher aussi, les écoquartiers. Maintenant, dans le domaine Mézeray, tout ce qui est les aménagements, les nouveaux aménagements du domaine Mézeray, encore là, il y a un comité de la table de concertation. Bref, tout ce qui se fait maintenant, et c'est énorme par rapport au changement d'il y a 2-3 ans par rapport à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des gens et tous ces organismes communautaires, bien, pas communautaires, mais c'est des organismes des fois de la santé, là, le CIUS et compagnie, qui sont représentés là. Mais, donc, c'est-à-dire qu'ils se penchent sur chacun de ces projets-là. Et je voulais juste vous essayer de vous vulgariser la chose. Il y a encore 2-3 ans, on étalait des grands plans devant des gens, des spécialistes de leur domaine. Ils devaient essayer de lire, c'est ce qui s'est passé pour, entre autres, Le Bourgneuf, ils essayaient de lire à travers les plans si le passage était assez large pour une chaise roulante, si la chambre de toilette était adaptée pour une personne âgée, par exemple, qui rentrait avec une marchette. Est-ce que les enfants étaient capables d'avoir accès au lavabo dans tel centre communautaire ou telle piscine? Mais maintenant, depuis peu, on a le nouveau système, le DIM,
BIM, merci, vous voyez comment je connais ça, mais c'est parce qu'on me l'a expliqué, je ne l'ai pas vu moi-même. Mais maintenant, ils sont capables de travailler avec les ingénieurs et les architectes du projet et les gens de la table, le comité appelé, directement avec le logiciel. Et alors, ils sont capables de parcourir des lieux, comme par exemple, je vais prendre le marché public qui va se construire à côté de l'amphithéâtre. Donc, ils sont capables de voyager à travers ça et avec les techniciens et les architectes au projet, ils peuvent corriger immédiatement toutes les petites irrégularités qui peuvent se présenter sur le parcours. On appelle ça finalement un parcours déambulatoire. Comment une personne, une mère avec une poussette, lorsqu'elle rentre dans un lieu, le parcours qu'elle va suivre, est-ce que le parcours va être parfait du début à la fin? Alors, tout se corrige directement sur les plans au fur et à mesure. Ça semble... une petite histoire banale que je vous raconte là, mais je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc, vous pouvez comprendre que maintenant, tout ce qui va se construire dans des espaces, au moins des espaces villes, et de plus en plus, on travaille à sensibiliser tous les promoteurs, tous les architectes avec notre guide d'accessibilité universelle, d'utiliser finalement tout ce processus-là et surtout de ne pas hésiter à utiliser la table d'accessibilité universelle. Vous allez voir ça aussi, ça, c'est moins apparent pour le citoyen, même pour nous, mais je peux vous assurer que c'est ce qui fait que tranquillement, il y a quelque chose qui change, qui n'est pas si perceptible que ça, mais qui change dans notre ville lorsqu'on parle d'inclusion. Merci. Sur le sujet, Monsieur le maire? Oui, ça vous rappelle, c'est combien le pourcentage de personnes qui ont un handicap physique à Québec à peu près? 7 à 9 % Si on comprend les personnes âgées en perte de mobilité, c'est beaucoup. Bon, écoutez, c'est parce que je l'ai lu hier soir dans un document, je pense que c'est 7 à 9 %. Et je veux qu'on réalise quelque chose parce que la population de Québec vieillit plus rapidement que les populations des autres villes. Ça, c'est une réalité. Je pense que c'est statistique. L'espérance de vie augmente aussi, mais l'espérance de vie augmente, mais ça ne veut pas dire que le physique suit tout le temps. Et donc, les difficultés, les handicaps physiques vont se multiplier, forcément, parce que la population vieillit. Et ce que Chantal a fait dans ce plan de politique d'accessibilité, c'est majeur, parce que dans la vie de beaucoup de monde, de milliers de personnes dans tous les jours, puis encore plus dans l'avenir, ça va être fondamental. On essaie d'expliquer aussi que, oui, c'est une dépense supplémentaire, l'accessibilité, mais on n'a pas le droit de ne pas permettre à un certain nombre de nos concitoyens de ne pas avoir accès à une bâtisse. Ça ne devrait même pas être pensé comme une dépense supplémentaire. On n'a pas le droit de penser de même. Et ce qu'a fait Chantal, c'est la bonne façon. D'ailleurs, puis je n'entends parler, moi, des gens m'en parlent. Ils sont très fiers de ça. Il y a comme des dossiers comme ça qui passent en dessous du radar, puis ça n'est un le parfait exemple, c'est celui-là. Ça passe en dessous du radar, mais je vais vous dire que dans 10 ans, l'impact que ça aura sur la population de Québec, ça va être énorme. Ça va être énorme parce que la population vieillit, puis déjà, moi, 61 ans, je cours moins vite que je courais. Je n'ai pas encore à le doigt une vignette, là, mais on va en donner de plus en plus. D'ailleurs, ça a été vu aussi par la politique. Alors, les rues conviviales. Alors, je veux le dire parce que c'est important, mais ce n'est pas, entre guillemets, sexy autant que d'autres dossiers. Mais Dieu sait qu'encore là, c'est ouvrir son cœur, écouter et refuser que les certains nombres de nos concitoyens n'aient pas accès non seulement aux édifices publics, mais à tout édifice privé. Ça devrait être un non catégorique. Ça a été bien fait. Je pense qu'il y a une façon d'y arriver. On va donner les moyens les plus modernes pour tenter d'aider tout le monde. Mais Chantal, je veux juste te dire que ton geste est important aujourd'hui, mais ça va l'être encore plus demain. Merci. Merci, Mme Verroux. Oui, merci, Mme la Présidente. En effet, j'aimerais ajouter à cette intervention de Chantal sur ce qu'elle a pu amener justement en tant que sensibilisation au niveau de l'accessibilité universelle. On le sent maintenant dans les discours, peu importe le projet. Puis je voulais donner un exemple, la rue conviviale qu'on est en train de créer sur le chemin de la Canardière. On avait formé un comité de travail et on a invité un représentant d'un organisme qui représentait la table de l'accessibilité universelle.
Et lui est venu donner son point de vue sur comment il voyait ça, c'est quoi les enjeux pour traverser là, des avenues un peu plus larges ou des choses comme ça. Et tout a été fait, tout le projet a été pensé en conséquence de l'accessibilité universelle. Même le mobilier qui va être installé est pensé pour qu'un fauteuil roulant puisse s'insérer en dessous. Il y a du podo tactile aussi au travers des rues. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est un grand avancement, là. Quand on y pense comme il faut, depuis que ce dossier-là, on a un porteur de dossier sur ce sujet-là, c'est un grand avancement, puis on le sent très bien. Puis bravo pour ça, parce que ça n'a pas dû être facile de convaincre tout le monde, en effet. Merci, Chantal. Merci. J'invite maintenant Mme Jean en intervention principale. Comme Mme Gilbert, pour une dernière fois, je vais vous parler de mon sujet. Cette fois-ci, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, vous savez, on parle souvent de la santé économique de la Ville de Québec. On en est très, très fiers, mais si tel il en est, c'est parce qu'on a des entrepreneurs qui osent, qui développent, travaillent très, très fort. 90% des emplois qui sont créés sur notre territoire, Mme la Présidente, puis ça, c'est vrai pour l'ensemble du Canada, sont créés par des petites PME. Puis on oublie souvent, je pense, de les féliciter, de les appuyer. Et moi, je voudrais le faire d'entrée de jeu. J'ai eu la chance, au cours de mon mandat, de croiser des entrepreneurs qui voient grand, qui travaillent fort, qui ne lâchent jamais, qui n'abandonnent jamais. Et je suis très, très impressionnée et je les trouve très inspirants. Et je le sais que ce n'est pas toujours facile. Moi-même, je suis la fille d'un commerçant et la petite fille d'un commerçant. Donc, je sais très bien qu'il y a des moments plus faciles que d'autres et puis beaucoup d'enjeux dans l'économie dans laquelle on vit également. Les entreprises sont aux prises avec beaucoup de défis, entre autres avec tout ce qu'on voit, celle du commerce du service détail, avec toute l'avenue du commerce en ligne. Il y a plusieurs entreprises qui sont chères à Québec qui vivent ces enjeux-là. Dans la restauration, on en a parlé souvent dans les séances du Conseil. Un type d'entreprise qui caractérise, qui valorise beaucoup une ville, mais également, c'est un domaine d'activité économique très, très difficile. Vous savez, un restaurant qui est créé cette année, dans 10 ans, il devrait en rester un ou deux. Si on est chanceux, c'est un milieu très difficile. Alors, je félicite les gens qui osent créer des entreprises et qui donnent la saveur, la couleur et l'énergie qu'on reconnaît à la Ville de Québec un petit peu partout. Je voudrais également remercier toute l'équipe de la division de l'entrepreneuriat. Monsieur le maire en a fait allusion. Dès le début de 2015, le CLD, qui s'occupait de l'accompagnement et du financement des entreprises, principalement sur le territoire de Québec, a fermé ses portes. Et la loi 128 a fait que la Ville de Québec, comme d'autres villes à travers, évidemment, la province, sont devenus les porteurs officiels de l'accompagnement financier et l'accompagnement, évidemment, au niveau du plan d'affaires, du développement des entreprises sur le territoire. Alors, vraiment, merci infiniment à l'équipe de Jacques Vidal, une équipe composée d'une dizaine de personnes. Je ne vous cache pas qu'au départ, les employés du CLD étaient plus de 50. Alors, il a fallu vraiment innover, se reposer aussi sur beaucoup de services à la Ville de Québec. Alors, les communications, le service de communication collabore au travail qui est fait par la division de l'entrepreneuriat, les services juridiques également, les technologies d'information. Les assises de la Ville de Québec nous ont permis aussi de livrer des services très efficaces aux entrepreneurs avec une équipe très réduite. Ces gens-là aussi ont mobilisé plus de 60 organismes sur le territoire. Ils sont, on peut dire, on a séparé en différents volets selon leur intervention. Alors, ceux qui sont plus dans l'accompagnement, l'éveil à l'entrepreneuriat, la sensibilisation, une vingtaine d'organismes sont rencontrés régulièrement chaque année. Ceux qui sont directement liés aux gens qui se lancent en affaires, alors les gens qui font du mentorat, l'accompagnement, du réseautage, les écoles d'entrepreneuriat de Québec, nous avons les centres de formation professionnelle, l'entrepreneuriat à Laval. Alors, tous ces gens-là, grâce à l'équipe de M. Vidal et de tous les acteurs sur le terrain, grâce à lui, tous les acteurs sur le terrain maintenant se parlent et collaborent. Puis on a également un module pour ceux qui financent. Et on a des fonds également de disponibles, le fonds de local d'investissement, le fonds de développement du territoire. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais en même temps, je voudrais quand même inciter les gens qui se lancent en affaires, spécifiquement les entreprises qui ont moins de 5 ans, à s'informer sur le site de la Ville de Québec. Il y a beaucoup d'options qui leur sont offertes dans l'accompagnement du financement. D'ailleurs, on a
excusez-moi, un appel à projet en cours qui, dont la date limite est le 18 octobre. Alors, il y a plusieurs secteurs d'activité touchés. On a déjà annoncé plusieurs entreprises appuyées par ce type de fonds qui est de la subvention. C'est très, très rare dans le parcours d'une entreprise d'avoir accès à autre chose que des prêts. Alors, pour eux, dans leur début de parcours, c'est la plupart des entreprises, ça leur permet de lever plus de financement ou démarrer le projet plus rapidement. Alors, je termine aussi en félicitant les organismes qui font un travail vraiment exceptionnel. Un entrepreneur qui a besoin d'aide sur le territoire de la Ville de Québec va trouver chaussure à son pied. On a noué beaucoup d'ententes avec Entrepreneuriat Laval, avec le Fonds d'emprunt de Québec, la CEDEC également, parce que la Ville, on ne fait pas ce qui se faisait déjà très bien ailleurs. On est là comme rassembleur, mais on est là aussi comme relayeur auprès de ces organismes-là. Alors, merci à tous de faire que Québec est une ville de plus en plus entrepreneuriale. Très, très fière d'avoir collaboré avec vous. Merci. Merci, Mme Jean. Monsieur le maire? Quelque chose qui est moins connu. Je pense qu'on a changé les attitudes à la Ville de Québec, puis Natacha y est pour beaucoup. Avant, les entrepreneurs, en tout cas, il y a eu une époque où les entrepreneurs étaient accueillis ici avec beaucoup de lassitude, souvent avec des préjugés défavorables. Et aujourd'hui, ils savent qu'ils nous épatent. C'est important que je vous le dise parce que moi, avec Natacha, quand on fait des annonces d'investissement des fonds à Québec dans des innovations technologiques, à chaque fois, moi, je suis épaté. Ils ont toujours inventé un nouveau gugus qui va marcher, en tout cas qui répond à un besoin. Ça m'épate toujours et ils le sentent qu'ils nous épatent. Et ça, c'est important. Ils sentent qu'ils sont importants et ils sentent qu'on est admiratif par rapport à ce qu'ils font. Puis ils savent aussi qu'on les comprend parce que Natacha et moi, on a travaillé à la Fondation d'entrepreneurship. On sait que la vie d'un entrepreneur, c'est pas facile. Mais ce qui est important, ce qui a été créé depuis 2-3 ans, puis Natacha est très responsable de ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème ici à Québec. La Ville, Québec international, le camp, les fonds de financement, tout le monde, il n'y a plus personne qui travaille en silo. Puis si quelqu'un essaie de travailler en silo à Québec dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça va mal aller. Ils savent qu'on n'endurera pas ça. Et on est en train de créer une espèce d'écosystème. Puis là, on va se vanter un petit peu. Bien, vous saurez, Madame la Présidente, que l'OCDE a décidé de documenter l'écosystème entrepreneurial à Québec. Ils vont écrire un petit livre là-dessus sur notre façon de faire à Québec qu'ils vont distribuer dans le monde entier, traduit. Je pense que ça va à peine qu'on... C'est sûr qu'on est un, mais pas tous les jours. Mais l'OCDE a décidé de documenter ce qu'on fait. Et ça, c'est pour rien. Puis moi-même, invité, moi comme maire, puis c'est au nom de la Ville, dans le fond, a fait partie d'une espèce de comité de l'OCDE avec une douzaine de maires du monde entier pour justement pousser et tenter de répéter et de calquer les systèmes de Québec et de 2-3 autres places dans le monde ailleurs pour aider au développement économique. Et je veux dire aux partenaires qui sont là-dedans, il y a une nouvelle mentalité à Québec. Il n'y a plus personne, tu sais, par chacun. Moi, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là, l'innovation technologique à Québec. Chacun avait son petit jardin, puis chacun gardait ses affaires, puis il ne voulait pas être copié par l'autre. C'est fini, Québec, on ne fait plus ça. Puis d'autant plus que la Ville de Québec n'investit plus dans des organisations qui auraient comme tendance à travailler en silo. Et ça fait aujourd'hui que tout le monde est super enthousiaste. Super enthousiaste. Du premier financement de 5 000 $ jusqu'à la caisse de dépôt qui maintenant nous écoute, parce que nos jeunes pousses progressent. Le système est là, la ligne est claire. Puis ils savent que la porte de la Ville de Québec est ouverte. Ça, c'est une autre affaire. Ils savent, puis ils ne viennent pas pour faire du lobby. Ils tentent juste d'être compris. Puis ils savent que maintenant, bien, ils nous épatent. Puis ça, de leur dire comme ça, je pense que ça fait beaucoup de différence. Puis merci, Natacha, pour ça. Merci. D'autres interventions sur le sujet de Mme Jean? Non? Dans ce cas, j'invite M. Chouari à prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. Je vais poursuivre un peu dans la même lignée que mes collègues et dans l'intervention précédente que j'ai faite. J'aimerais mentionner aussi, je ne l'ai pas fait dans ma première intervention, mais je veux remercier mes collègues du conseil d'arrondissement, Rémi Normand et Anne Corriveau, parce que le contexte n'était pas nécessairement facile puisque j'étais chef d'opposition, mais on a convenu que
Le travail qui se faisait à l'Hôtel de Ville, c'était à l'Hôtel de Ville, puis à l'arrondissement, il y aurait un travail de collaboration et de respect, et ils sont en toute collégialité. Alors, je veux les remercier et les saluer, parce qu'on a travaillé ensemble dans l'intérêt des citoyens à l'arrondissement, et ce qui a facilité les choses pour tout le monde. Et évidemment, comme je mentionnais plus tôt, c'était dans un intérêt commun d'aider les gens et de trouver des solutions aux dossiers qu'on avait à traiter dans l'arrondissement. Mes collègues ont parlé un peu de leur bilan. Je ne ferai pas l'énoncé de tous les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, ça sera peut-être un peu long, mais il y en a certains qui m'ont tenu à cœur, puis ce que je constate, c'est que, j'ai commencé en 90, 27 ans plus tard, la plupart des enjeux sont toujours présents. Le contexte a changé, les besoins ont évolué, la population évolue aussi, mais on parle encore des mêmes thèmes. Alors, les dossiers ne sont jamais complètement réglés. Et à chaque élection, on part en campagne électorale et on parle d'aménagement du territoire, de loisirs et de parcs, de transport, de congestion. Mais c'est souvent les mêmes dossiers, mais sous d'angles différents, qu'on a travaillé dans les élections précédentes. Julie a parlé des bibliothèques tantôt, puis je veux poursuivre là-dessus, parce que c'est vrai que les bibliothèques, c'est important dans une ville. Moi, je l'ai constaté au fil des ans, je le constate encore, les bibliothèques sont des lieux qui sont incroyablement diversifiés et qui ont évolué et dont la population bénéficie et en profite. Et on ne peut pas s'imaginer, à moins d'être dans les bibliothèques à tous les jours, combien est-ce que les gens apprécient nos bibliothèques à la Ville de Québec. Ça, je pense que c'est une des grandes réalisations de la Ville de Québec, c'est ces bibliothèques. En 2001, on a eu l'élection dans la nouvelle Ville de Québec suite aux fusions. Le premier dossier sur lequel j'ai travaillé, ça a été la bibliothèque Charles-Agelet, parce que la bibliothèque était au sous-sol de l'école Saint-Michel et la commission scolaire voulait récupérer les locaux, parce que la bibliothèque était locataire. Alors, dans la Sainte-Ville de Sillery, on était locataire. On se doutait qu'un jour, il fallait déménager. Alors, le premier dossier pour lequel j'ai interpellé le maire de l'époque, M. Lallier, j'ai rencontré, puis j'ai dit, on a une bibliothèque qui doit déménager et on a un hôtel de ville qui est vide sur Maguire. On pourrait déménager la bibliothèque Charles-Agelet dans l'hôtel de ville de Sillery et en faire la première nouvelle bibliothèque de la Ville de Québec. Il m'a supporté là-dedans. On a travaillé avec, évidemment, les gens de l'arrondissement de la Ville et du gouvernement du Québec. Et effectivement, ça a été la première nouvelle bibliothèque de la nouvelle Ville de Québec. Et la bibliothèque Charles-Agelet a été un succès assez impressionnant et incroyable. C'est un lieu de rencontre. On a fait des salles multifonctionnelles au sous-sol. Avec le temps, on y a ajouté des services. On a développé la place publique en avant. On a fait une place éphémère. Il y a du monde à tous les jours. Alors, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu de culture. Il y a des événements publics, des événements festifs. Il y a des rencontres scolaires. Les élèves des écoles du quartier vont tous là à un moment donné ou à un autre. Il y a des activités la fin de semaine. Et je pense que la bibliothèque Charles-Agelet, on en a discuté en comité plénier, va être due pour une modernisation en fonction des besoins d'aujourd'hui. Et les besoins d'aujourd'hui, je pense, ont été bien démontrés et se sont définis avec la bibliothèque Monique Corriveau, qui a un dossier qui a été très long à développer et à coucher, mais qui est un succès assez incroyable, qui est un modèle de bibliothèque, je pense, au Québec, peut-être même au Canada. Alors, je voulais renchérir sur ce que vous avez dit et dire combien c'est important. Nos bibliothèques, quelle que soit la dimension, quelle que soit la grandeur, les bibliothèques de quartier sont importantes et ont un impact important pour la population et les gens l'apprécient énormément. Alors, ceux et celles qui vont continuer le prochain mandat, moi, je vous incite à continuer à travailler sur nos services dans les bibliothèques, un peu comme ça s'est fait dans les dernières années avec la bibliothèque Monique Corriveau. Merci, M. Chouari. M. le maire? Aujourd'hui, je discutais avec Mme Lise Bissonnette, qui a dirigé le jury pour choisir les architectes pour la bibliothèque Gabriel-Leroy.
Évidemment, je lui expliquais un peu l'espèce de contrat compliqué qui avait été signé avec la CSQ il y a à peu près 40-50 ans. Puis c'était pas évident, mais je lui disais, vous savez, Jean Pelletier, qui était maire à l'époque, d'investir énormément d'argent pour l'époque, puis ça compte encore cher aujourd'hui, bâtir une grosse bibliothèque centrale comme il l'a fait en plein milieu de Saint-Roch, puis il faut voir dans quel état était Saint-Roch à l'époque, et d'amener un partenaire institutionnel comme la CSQ, parce que la CSQ est quand même un grand syndicat, fallait le faire. Puis je disais probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de pouvoir de négociation avec son partenaire, parce que c'est extrêmement compliqué. Alors, oui, on était audacieux, mais à l'époque, puis ça c'est peut-être chez les maires de Québec, il y a des espèces de lieux communs comme le patrimoine, la culture, la bibliothèque, etc., etc. On dirait que c'est dans l'ADN même des gens de Québec, puis c'est dans l'ADN des maires, tu sais, de M. Lamontagne jusqu'à moi, puis en passant par Mme Boucher, puis Jean-Paul et Jean Pelletier. Des bibliothèques, c'est important. Mais évidemment, il y a des creux, parce qu'à un moment donné, t'en construis, puis à un moment donné, ils vivent pendant 20-30 ans. Puis là, nous autres, on est tombés à l'époque où il fallait bouger. Mais je veux quand même dire qu'au moment où on annonce les gagnants du concours d'architecture, puis qu'on va le transformer radicalement, il y a eu un gars à l'époque qui s'appelait Jean Pelletier, puis qui a osé le faire, investir. Parce que je me souviens, moi, j'étais junior d'attaché politique pour un député, puis je me souviens de deux gros dossiers. Il y avait la bibliothèque puis le palais de justice. C'était bien extraordinaire. Puis il fallait amener ça à Basseville pour revitaliser la Basseville. Peut-être que Paul s'en souvient. C'était important à l'époque. Puis la bibliothèque Gabriel-Leroy, quand ils l'ont fait, c'était exactement pour ça. Puis c'était audacieux. Puis de l'avoir appelé en passant Gabriel-Leroy, ça, c'était vraiment génial. Merci. D'autres interventions sur le sujet de M. Chouari? Non? Dans ce cas, j'invite Mme Verroux en intervention principale. Oui, bonjour. Bonjour, excusez. Oui, Mme la Présidente. Je voudrais revenir sur un événement assez extraordinaire. Je pense une très belle annonce qui a eu lieu le 7 septembre dernier. C'était l'inauguration du pavillon sport et loisirs de la YWCA à Québec. Alors, vraiment, les lieux sont méconnaissables. Évidemment, c'est un bel investissement de près de 6 millions de dollars, en grande partie assumé par la Ville de Québec. Tout a été changé, tout a été rénové. C'est un projet qui est travaillé de longue date. Ça a été difficile à ficeler. Les gens de la YWCA, leur comité de financement, ont travaillé excessivement fort pour réussir à mettre en place ce beau projet. Alors, la piscine a été remise à neuf, OK. Il y a deux bassins aussi secondaires, un bassin en eau peu profonde ainsi qu'une pataugeoire aussi qui ont été installés, inaugurés. Deux grandes salles d'exercice au deuxième étage, largement fenestrées, c'est de toute beauté. L'architecte, d'ailleurs, au dossier, a fait vraiment un bon travail. Pour les gens de la Haute-Ville, évidemment, du district Montcalm et Saint-Sacrement, c'est un plus de retrouver leur piscine. Ça va être vraiment un service de loisirs supplémentaire, en plus, évidemment, d'accueillir les femmes qui vivent et qui résident à la YWCA. Bientôt, il va y avoir un deuxième volet. C'est un grand projet de 18 millions. Alors, le prochain volet, c'est un centre socio-communautaire pour accueillir, justement, ces femmes en difficulté. Alors, je pense que la Ville, on est fiers d'avoir participé à ce projet-là. C'était assez touchant de voir à cette rencontre-là la fierté de ces femmes qui ont travaillé si fort pour arriver à réussir à ficeler tout ça et à démarrer ce projet-là. Vraiment, moi, je tenais à en reparler. Chapeau. Peut-être que M. le maire pourrait ajouter aussi plus sur le centre socio-communautaire à venir, Mme Gilbert. Alors, c'est une belle annonce. C'est important pour la Haute-Ville, ce nouveau service qui va être offert pour les résidents, évidemment. Ça existe quand même depuis 142 ans, la YWCA à Québec. Alors, on s'entend que c'est un projet très porteur pour cet organisme-là, mais aussi pour les citoyens de la Haute-Ville de Québec. Merci. Merci, Mme Verroux. Mme Gilbert? Oui, je veux juste compléter, parce qu'on était effectivement à l'ouverture. M. Bussière aussi y était, puis c'est vraiment une infrastructure exceptionnelle pour le quartier. C'est vrai que Mme Verroux avait raison, ce qui a rendu le dossier très complexe, c'était qu'on a une piscine sur laquelle la Ville a investi quand même 6 millions de dollars, que la Ville l'a mis, pour que ça devienne une piscine qui est pas juste pour le YMCA, mais qui est pour le bénéfice de toute la population. Mais il y a aussi 60 unités de logement
pour les femmes qui vont être hébergées, mais qui sont complètement rénovées, refaites au complet. Alors ça, on parle ici de volet 3. Alors lorsque l'on a parlé dernièrement de logements sociaux, qu'on s'est dit qu'on allait appuyer beaucoup de projets de volet 3, ça c'est un très très bon exemple de ce qui s'est fait dernièrement. Alors c'est une très très belle acquisition pour le quartier de Saint-Sacrement. Monsieur Bussière. Monsieur Bussière, allez-y. Je vous dis, c'est vraiment une réussite architecturale aussi. Il faut dire que la firme Amiot-Bergeron a fait quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, l'ouverture, moi, je veux vous dire, les ouvertures vers l'extérieur, les deux gymnases, c'est une vue sur le parc Samuel Hollande avec des miroirs qui vont chercher pour donner une profondeur à ces deux salles-là. La piscine, c'est aéré avec les airs aussi de baignade pour les enfants. C'est quelque chose vraiment innovateur. Et puis, je peux vous dire aussi que, comme on vient de le mentionner, il y a l'accueil femme à l'intérieur de la Y. La contribution, M. le maire l'a souligné lors de l'inauguration, c'est pour le volet centre des loisirs, qui est le côté sportif, mais il y a différents volets, donc Action Habitation, qui voit aussi les chambres qui ont été renouvelées pour accueillir des femmes en difficulté, femmes monoparentales. C'est vraiment avec cuisine... air commun, cuisine quasiment collective. Vraiment, la Y s'est déployée pour les 50, 60, 100 prochaines années. Ce bâtiment-là est une reconstruction, mais on dirait un bâtiment complètement neuf à partir des mêmes bases. Moi, je salue l'administration de la Baume et puis aussi la détermination du conseil d'administration de la Y des femmes, parce que c'est un dossier, je l'ai vu à la commission d'urbanisme, qui s'est promené. C'était sur le terrain du collège Saint-Charles-Garnier. C'est revenu un projet sur Hollande. Et pour les gens de notre quartier, les aînés qui sont à proximité, il y a maintenant un pavillon qui est vraiment un pavillon de service en loisirs que la Ville a donné aux citoyens de Montcalm, Saint-Sacrement, et que c'est grandement apprécié. Merci, M. Bussière. D'autres interventions? M. le maire? Peut-être deux secondes pour expliquer un peu ce que ça fait dans la vie, parce que il y a tous les espaces communautaires dont on vient de parler, puis la piscine qui a toujours été accessible au public. En passant, la femme du maire Lamontagne a été très active, Mary Lamontagne, à l'époque, au YWCA. L'autre partie du projet, c'est de reconstruire, en fait, 60 unités pour les femmes, en passant, itinérantes. Et on va chercher ça dans notre stock d'accélérologie, c'est-à-dire des logements sociaux. Alors, ce qui est en train de se faire. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais vous savez... Puis moi, c'était ma grande surprise, parce que j'ai commencé à travailler avec les gens de la Y avant d'être maire. Maire MIR, évidemment. Et il y a beaucoup de femmes itinérantes, c'est juste qu'on ne les voit pas. C'est bête à dire. Dans toute leur dignité, ils font tout pour avoir l'air itinérante. Et il y en a énormément, c'est surprenant comment il y en a, c'est juste que vous ne les verrez pas dans la rue, vous ne les reconnaîtrez pas, à part quelques exceptions. Et comme on dit souvent, si... tu viens de manger une volée, puis tu viens de te faire mettre dehors par ton mari, tu vas coucher où le soir, là? Tu n'as pas une scène dans tes poches, t'es pauvre, puis tu viens de manger une volée par ton conjoint. Tu vas coucher où, là? Bon, tu peux aller deux soirs à l'Aubrivière, mais maintenant, tu n'es pas démoli juste physiquement, tu es démoli psychologiquement. Qui va tenter de retricoter ta vie avec toi? Ben, c'est le YWCA. C'est exactement ça, ce pourquoi ils œuvrent. Et vous savez, 60 unités au Y, ça a l'air beaucoup, là, mais ils doivent refuser au moins 7-8 fois le nombre qu'ils acceptent, parce qu'il y en a énormément. Alors, vous savez, dans une ville, c'est moins spectaculaire qu'un amphithéâtre, mais qu'est-ce que tu veux? Puis les femmes d'affaires qui sont là-dedans, les femmes d'affaires, toute l'équipe de Marie-France Poulin et tout le monde, là, j'ai jamais vu des femmes travailler avec autant de passion. Puis on dirait que les femmes les plus actives à Québec sont là-dedans. Et il y a une solidarité avec les femmes démunies qui est remarquable. C'est rare qu'on voit ça. J'ai jamais vu des femmes aussi s'investir puis croire à leur projet, parce que 18 millions, c'est une grosse affaire quand tu pars de zéro, là. C'est une grosse affaire. Mais ils ont réussi, puis il faut les féliciter. Puis ils n'ont pas terminé. Puis... ils ont toujours un souper annuel là-bas, puis la salle, tout ce qu'il y a de femmes d'importance, il y a quelques hommes, dont moi, heureusement,
Mais qu'est-ce que toutes les femmes d'importance à Québec sont là, puis sont vraiment solidaires, puis ils vont avec leur cœur, puis ça fait du bien de voir ça dans une communauté, vraiment. Merci. D'autres interventions sur le sujet de Mme Verroux? Non, dans ce cas, ceci mettra fin à la première période d'intervention générale des membres du Conseil. Monsieur le maire, en fonction de l'article 54, vous avez 3 minutes pour conclure cette période. Donc, on va tomber. Ce qui nous amène au point suivant, soit la première période d'intervention des citoyens. À ceux-ci, je rappelle qu'en fonction de l'article 63, ils ont 1 minute pour à la fois nous dire à qui s'adressera leur question, faire un léger préambule et poser leurs questions. Donc, pour débuter, j'invite Mme Roy de la Wade à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir, Mme la Présidente. Pardon. Comme vous savez, à l'heure actuelle, il y a une campagne concernant la sécurité automobile. Quand on fait face à un accident, on s'aperçoit de certaines choses. Il y a un rapport d'événement. Alors, il est introuvable. Les autorités finissent par le trouver. C'est une surprise. Il y a 3 médecins, un généraliste, 2 orthopédistes, des ambulanciers, des orthothérapeutes, la SAC qui supervise et qui traite le problème d'une personne qui est immobilisée pendant 3 mois par un système d'immobilisation de béquilles marchettes. Alors, quand ils retrouvent le rapport d'événement, surprise, le rapport dit, il est signé par 2 matricules, évaluation seulement, pas de blessés. Merci, Mme Delaway. Il faudra en arriver à votre question, s'il vous plaît. Oui. Alors, je ne parle pas à mon nom personnel, il faut penser aux autres aussi qui ont subi des cas comme ça. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, Monsieur le maire, pour essayer de changer ce type de mentalité? Merci. C'est pas facile. Merci, madame. Vous pouvez vous asseoir, on va vous répondre. Monsieur Boyer, ouais, vous allez prendre la question, allez-y. Oui, bien, je peux essayer de répondre. C'est sûr que c'est un lieu d'événement. Quand on fait des rapports d'événements, moi, je vous dirais, ce qui est plus facile, c'est par la suite, il y a un formulaire sur le site Internet de la Ville qui vous permet de rentrer en communication avec les policiers. Donc, c'est un rapport d'événement, et il y a un policier qui communique avec vous. S'il manque des informations, alors on peut le compléter à ce moment-là. C'est sûr que s'il y a quelque chose, on conscientise beaucoup les policiers sur dans un événement. Ils sont très sensibles. La première préoccupation, c'est la personne blessée. Donc, le rapport vient par la suite. Donc, mais s'il y a des précisions à apporter au rapport, vous pouvez communiquer avec les gens de la police. Le matricule, les policiers le savent. Donc, qui est le matricule? J'en suis convaincu. Alors, on peut savoir qui est la personne. C'est très facile et on peut compléter les formulaires et on peut vous accompagner là-dedans. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez appeler même le 311 ou directement au service de police et on va pouvoir vous aider. Merci, Mme Delaouette. Merci, M. Boyer. J'invite maintenant Sylvie Raymond à venir prendre la parole. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, ma question s'adresse à M. Labeaume. En 2014, Simone, chatterrante en scène jusqu'aux oreilles, a commencé à venir sur mon balcon.
J'ai commencé à la nourrir. Il y avait beaucoup de chats errants à l'époque dans le quartier Saint-Sauveur et il y en a toujours autant. En tant que citoyenne responsable, je ne voulais pas que se développe une colonie de chats dans ma cour. Avec beaucoup de bonne volonté, mais totalement ignorante du comportement des chats errants, j'ai réussi à attraper Simone après 2 essais et à la faire stériliser. Mais ça, c'est après qu'elle ait eu 4 portées, pour un total de 12 chatons. Les chatons ont été confiés à un refuge, stérilisés et adoptés. J'aurais bien aimé qu'un programme de capture, stérilisation, retour, maintien, CRSM, existe à Québec pour m'aider dans tout ça, car toute cette aventure m'a coûté une fortune et m'a causé beaucoup de soucis. J'ai donc décidé de lancer une pétition pour demander la mise sur pied d'un programme de CSRM à Québec. En une seule semaine, nous avons plus de 2160 signatures. Et comme je ne sais pas encore pour qui voter le 5 novembre prochain, j'aimerais connaître la position de M. Labeaume à ce sujet. Merci, madame. On va vous répondre. Monsieur le maire. Madame, vous voterez pour qui vous voudrez. On va tenter de vous donner une réponse logique, tout simplement. Monsieur Voyer. Oui, alors, on l'a déjà dit antérieurement. Alors, pour les CSRM, le gros problème, c'est le M. Le maintien, ce que ça veut dire, c'est de mettre des enclos dans des endroits pour nourrir les animaux. Alors, à l'Hôtel Dieu, par exemple, je ne vois pas mettre un enclos pour et avoir l'ensemble des... Parce qu'on dit, il n'y a pas de pancarte pour dire c'est chat only, là. Alors, les animaux ne sont pas capables de lire. Donc, il risque d'y avoir beaucoup de vermine qui va se ramasser là. Ce n'est pas l'objectif. Dans les faits, depuis 2013, on regarde beaucoup les experts un peu partout dans le monde et le CSRM n'est pas nécessairement la solution qui peut vraiment régler le problème. Ce qu'il faut beaucoup, c'est de travailler avec les citoyens. C'est ça qui est important. On fait beaucoup de sensibilisation. Avec notre fournisseur, on va régulièrement faire des tournées. Quand on a des appels, on va faire les tournées. Exemple, à l'Hôtel Dieu, on va ramasser, on va capturer les chats, essayer de les soigner, micropucer, stériliser et vermifuger ou vacciner, etc., et les remettre en adoption. Donc, en travaillant avec les citoyens, on continue et on peut améliorer vraiment la situation. Mais, à mon avis, CSRM n'est vraiment pas la solution idéale. Merci. J'invite maintenant Caroline Leblanc à venir prendre la parole. Bonsoir, Madame la Présidente. Donc, mon nom est Caroline Leblanc. Je suis présidente de Mouvement Chérant. Ma question s'adresse à M. Voyer. Puisqu'il y a 2 semaines, M. Voyer parlait de la colonie des chats de l'Hôtel Dieu en disant, je le cite, qu'en 2013, il y avait seulement 5 chats, qu'il y a toujours 5 chats, donc une colonie d'à peu près 5 chats. Il n'y a donc pas de gros changements. Donc, selon lui, il n'y a pas de gros changements, mais selon nous, c'est minimiser le problème ou c'est faire des calculs d'une façon qu'on ne comprend pas. Parce qu'en 2014, M. Voyer, c'est très bien, il était déjà à la gestion animalière. À ce moment-là, on a sorti 13 chats. 3 ans plus tard, en avril dernier, on est dans la même situation, on reçoit des photos des chats sur place, il y en a une quinzaine d'autres. Ça aussi, M. Voyer le sait, puisqu'il a aussi reçu les photos. Donc, cet été, plusieurs chats ont été recueillis par la fourrière municipale. Fin août cette année, je m'y rends, rapidement, je peux voir qu'il y a encore 8 chats sur place. Et hier soir encore, des employés, cette fois-ci du monastère des Augustines, nous écrivent pour nous demander de l'aide pour placer une nouvelle portée de chatons, parce qu'ils n'ont pas envie de les ramasser morts, gelés, comme ceux de l'hiver passé. Donc, M. Voyer est responsable d'un dossier, celui de la gestion animalière d'une ville d'un 500 000 d'habitants qui a un budget de 3,5 millions pour le contrat qu'il a octroyé aux fournisseurs. Et on aimerait savoir, en fait, comment on fait les calculs à la gestion animalière. Voilà. Merci. M. Voyer? Je vais être très gentil. Bon, premièrement, le 3 millions, ce n'est pas 3 millions par année. C'est ce que les groupes de pression aimeraient. Donc, de mettre 36 et 8 $ par habitant, mettre un 3 à 4 millions par année. Nous, c'est 1,3 million par année. Il y a différentes mesures qu'on met en place. De la sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut travailler avec les citoyens. On fait de la sensibilisation, des guides, on fait des patrouilles dans les parcs. Et je rappelle qu'on est la première ville au Québec à avoir fait du micropuçage gratuit. Alors, il y a des journées de micropuçage qui existent dans d'autres villes, dans 4 ou 5 autres villes du Québec, mais on est la première où on assume entièrement les frais
Et non seulement ça, c'est qu'on donne, on a donné 6 000 $ à des organismes, justement en gestion animalière, alors pour les aider. Donc, je comprends que oui, il va toujours y avoir à un moment donné des animaux, des chats, des chiens errants qui vont se promener, qu'on va essayer de capturer. Alors, si on travaille tout le monde ensemble avec les citoyens, puis on sensibilise tout le monde, alors on va arriver à des solutions. Merci. Merci. J'invite maintenant M. Jean Cloutier à venir prendre la parole. Merci, Mme la Présidente. Ma question est à Julie. C'est une question de suivi. Je suis venu en juin dernier demander ce qu'on ferait pour sécuriser et conserver la maison ou la villa Brown-Livernois. Je n'ai pas eu de réponse officielle. Je ne sais pas quelle est l'intention de cette maison. J'ai une photo, si vous voulez. C'est une maison qui est protégée, qui est, on souhaite sauvegarder sur le site, en tout cas, sur le site web de la Ville de Québec. C'est la maison du grand photographe Livernois. On a de grandes photos de grands politiciens de lui, de tramway en hiver, de la basilique incendiée. C'est un grand photographe qui passait ces étés-là. Donc, c'est un bel exemple de maison patrimoniale qu'on trouve en banlieue, qu'on devrait sauvegarder. Et j'ai eu la chance de visiter à deux reprises la maison. Même la chef de l'opposition l'a visité aussi. Je sais que le promoteur écoute à la télévision, il y en a même un qui est présent ici. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces promoteurs qui veulent sauver du Parlement en dehors du Vieux-Québec? Est-ce qu'il y a un programme de la ville que vous pouvez sortir de votre chapeau avant de quitter? C'est vraiment une préoccupation pour les citoyens. J'en rencontre beaucoup de cet ainsi. Et il y a une question de sécuriser et de merci, vouloir M. le conserver. Il y a même, j'en ai parlé aux pompiers lors de la fête de quartier. Cloutier. Il y a un risque d'incendie. Ce n'est pas Cloutier. Les clôtures qui sont là qui vont protéger. Monsieur Cloutier, je merci m'adresse à vous. Merci autant de temps que les autres citoyens. Monsieur Cloutier, je vous invite, s'il vous plaît, à respecter la présidence. Lorsque je vous interpelle, je vous demanderai de bien vouloir m'écouter. Et surtout, vous devez être en mesure de comprendre, étant donné que j'ai donné les instructions en début de séance, que votre temps est écoulé. Donc, Madame Lemieux, je vous invite à répondre. On a effectivement bonifié les programmes de subvention avec le ministère de la Culture, particulièrement dans les arrondissements historiques, mais il y a aussi des programmes hors arrondissements historiques qui peuvent s'appliquer à des bâtiments patrimoniaux. Pour l'instant, moi, je dois vous dire que je n'ai pas été interpellée directement par les porteurs du dossier. Je ne pense pas que ce soit le rôle de M. Coutier nécessairement de le faire parce que le bâtiment ne lui appartient pas. Donc, j'invite les promoteurs en question à peut-être s'adresser à nos équipes au service du patrimoine de la ville, à la division du patrimoine de la Ville de Québec, et on pourra voir effectivement ce qui est possible de faire pour eux. C'est un bâtiment qui a eu une protection de la ville. Je pense il y a peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça, on a vraiment posé un geste pour effectivement le protéger, ce bâtiment-là. Donc, on va s'asseoir avec eux pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Merci. J'invite maintenant M. Daniel Brisson à venir prendre la parole. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Ma question s'adresse à M. Labeaume. Merci. Alors, je trouve intéressant ce soir que Mme Guérette ait parlé de sagesse des foules et que vous, M. Labeaume, ait parlé d'intelligence des foules. Que pensez-vous d'écouter la foule de Québec qui demande un troisième lien structurant à l'Est? Merci. Bien, écoutez, le troisième lien, je vais encore préciser, ça vaut la peine. Bon, 3/4 des citoyens s'en vont, de la Rive-Sud s'en vont à l'Ouest. Alors, moi, personnellement, et nous, avec Plamo, on pense qu'un troisième lien à l'Ouest, ça serait logique. Maintenant, est-ce que c'est possible physiquement? Ce n'est pas à nous de le décider. C'est au ministère des Transports. Écoutez, si les gouvernements veulent faire un troisième lien à l'Est, comme c'est eux qui payent, je pense qu'on ne pourra pas les empêcher, puis on collaborera à une seule condition. Qu'on nous garantisse qu'on ne rempire pas le trafic à Québec. Si tout le monde s'entend pour aller construire un troisième lien dans l'Est, alors nous, on va demander des garanties pour ne pas que ça rempire le trafic à Québec. Parce qu'il faut bien voir une chose, là. On va faire valoir nos points de vue, la Rive-Sud va faire valoir leurs points de vue, mais il y a un gouvernement, quelque part, qui va décider où il fait le troisième lien parce que c'est lui qui va payer des milliards. Alors, nous, là, ici, au conseil municipal, notre rôle, à partir de là, c'est de protéger ceux et celles qui payent des taxes à l'intérieur des limites de la Ville de Québec. Alors, s'il y a un consensus pour l'Est, puis le gouvernement décide d'aller dans l'Est,
Et si je suis encore maire de Québec, la bataille que je vais faire, c'est de m'assurer qu'on ne rempire pas le trafic. Parce que la vérité, c'est ceci. Rien ne se perd, rien ne se crée. S'il y a des gens qui doivent prendre le troisième lien à l'est, ils vont tomber dans le trafic à Québec. C'est inévitable. Là, ils passent par l'ouest. On sait pas mal de quoi ça a de l'air comme conséquence, mais à l'est, c'est inévitable qu'ils rempirent le trafic. Alors là, moi, à ce moment-là, comme maire de Québec, si je le suis encore, je vais vous dire une affaire, je vais me défendre. Bec et ongle, pour qu'on s'assure que nous autres à Québec, et particulièrement les gens de Beauport et de Charlebourg, ne payent pas pour ça. Les calculs qu'on a, puis dites-vous bien que les calculs qu'on a faits, là, c'est des chiffres de 2011 qu'on a mis à jour, parce que vous savez que depuis 10 ans, il y a 100 000 voitures de plus sur les chemins à Québec. 71 000, ça arrive nord, 29 000, ça arrive sud. Puis les camionnages, là, on les a fait, nous autres, les hypothèses. Sur 40 hypothèses, là, de rentrer d'un côté puis sortir par l'autre, 175, 138, tout ce que vous voulez, il y en a 8 qui font en sorte que si tu prends le troisième lien à l'est, tu améliores ta situation. Mais la moitié de ceux-là aussi viennent remplir le trafic de Québec. Alors, le troisième lien, oui, mais je veux des garanties. Je veux des garanties qu'on ne rempire pas le trafic à Québec. Puis ça, moi, je n'accepterai pas ça. Alors, si le troisième lien, les gouvernements veulent à l'est, bien, ça sera à l'est, mais moi, je vais me battre maintenant pour ceux qui payent des impôts, des taxes à Québec. Je regrette, là, si je suis encore maire de Québec, je vais défendre les gens de Québec. Puis c'est les gens de Québec qui, le matin, sur Félix Leclerc, sont rendus quasiment au boulevard des Chutes, là. Parce que les calculs qu'on a faits, c'est peut-être qu'il y en a qui seraient pognés dans le tunnel en arrivant à Québec. Alors, ceux-là, de Beauport, puis de Charlebourg, puis même ceux du Nord de Félix Leclerc, qui vont payer pour ça, là, moi, je vais les défendre. Actuellement, là, le calcul qu'on a, c'est que ça va prendre à tout le monde 10 minutes de plus pour se rendre au travail. Ça, c'est des meilleures conditions, puis c'est en été. Ajouter facilement 5 minutes en hiver. Alors, pourquoi quelqu'un de Québec aurait comme conséquence dans sa vie de tous les jours de prendre 15 minutes de plus dans le trafic? Pourquoi on accepterait ça, nous autres, là? Alors, si les gouvernements veulent aller à l'Est, soit. Mais moi, si je suis maire de Québec, je vais défendre ceux d'ici, puis c'est pas vrai qu'on va rempirer le trafic de Québec. C'est pas vrai. Puis là, on a travaillé fort, on a trop travaillé fort dans les dernières années pour faire élargir Rambert-Bourassa, élargir Henri IV, élargir Laurentienne. On a fait ça pour que ce soit plus facile pour les automobilistes. J'accepterai pas qu'on vienne rempirer le trafic à Québec avec un troisième lien. On va accepter le troisième lien, mais avec des solutions. Alors, c'est ça, le troisième lien. On se bat pas contre le troisième lien, on dit juste qu'on va se battre pour notre monde. Puis ça, je vous garantis que les gens de Québec sachent une chose, puis particulièrement ceux de Beauport, Charlebourg. Oui, au troisième lien, si les gouvernements le veulent, mais moi, je ne laisserai pas faire en sorte que le trafic se rempire à Québec à cause de ça. C'est ça, ma position. Merci. J'invite maintenant M. Patrice Fortin à venir prendre la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir aux citoyens qui nous écoutent à la maison et à tous les conseillers ici pour le dernier conseil municipal. Mme la Présidente, je m'en ai tout à l'heure dans l'auto et j'écoutais une certaine station de radio à Québec où on ne tarissait pas d'éloges à l'endroit de M. Labeaume. Ma question va s'adresser à lui. C'était au sujet d'Amazon où on apprend que l'Alberta, OK, donne son appui à cette compagnie-là qui générait une affaire comme 50 000 emplois. Alors, je trouve intéressant le guide de l'OCDE, mais ma question au maire était, est-ce que l'OCDE va documenter la façon dont vous avez dit non à Amazon? Merci, Mme la Présidente, c'est ma question. Vous savez, même Saint-Anselme fait des démarches pour avoir Amazon. La vérité, bien, moi, je l'ai dit en homme d'affaires parce que j'avais tout pensé à ça, puis dans ma tête, ils ne viendront jamais à Québec. Mais ça, c'était comme un sacrilège et un blasphème. Lisez Forbes, lisez New York Times, lisez les grands quotidiens américains. Il y a 3 villes aux États-Unis qui peuvent recevoir Amazon. Washington, D.C., Boston et Denver. Pourquoi? Première condition, en passant, je vous dis, première condition pour qu'une ville puisse accueillir Amazon, qu'il y ait des vols directs sur toutes les capitales américaines. À part mal, Saint-Anselme ne sera pas chanceux. Alors ça, c'est la première condition, des liens directs avec toutes les capitales américaines. Ça prenne une agglomération d'1 million et de plus. On ne l'a pas encore.
Ça prend un réseau de transport structurant. On ne l'a pas encore. Alors, quand vous lisez ça, au lieu de dire que ce serait le fun qu'Amazon vienne, quand vous allez plus loin, puis vous fouillez un peu, puis vous suivez l'actualité économique, vous allez vous apercevoir que quand bien même vous rencontriez, quand même vous contrez à toute la population de Québec que vous allez travailler fort, puis ça aurait été bien, bien bon pour les élections, on dirait, on va essayer d'avoir Amazon, non? Mais c'est parce que c'est leur mentir. J'ai pas le goût de ça. Hein? J'ai pas le goût de ça. Alors, dire aux gens de Québec, on va travailler fort pour avoir Amazon, puis leur faire accroire ça, alors que fondamentalement, on sait qu'il y a juste 3 villes aux États-Unis qui peuvent les recevoir, ça aurait été mentir à la population. Évidemment, je l'ai dit en la baume. Hein? Quand c'est dit en la baume, ça sort carré, puis c'est pas fancy. Mais lisez un peu, puis allez voir les conditions d'Amazon, là, puis on n'en rencontre aucune condition. Il y a Amazon, ça n'ira pas dans une ville et une région qui a 3,8 % de chômage. Jamais ils feront ça. Jamais ils feront ça. Et Amazon dit, puis c'est bien inscrit dans son document, « you pay for play ».« Pay for play », ça veut dire maintenant, « dis-moi, qu'est-ce que tu vas me donner pour que j'y aille chez vous ?»« Dis-moi comment je ne paierai pas de taxes pour aller chez vous ?» Combien tu vas me donner de... Puis là, on parle de centaines de millions en passant, là. Dites-vous bien ça. Allez voir comment ça s'est passé Mercedes en Alabama ou même, je pense, Boeing à Washington, D.C. C'est des centaines de millions que tu mets sur la table, là. Pay for play. Au moins, ils ne sont pas hypocrites. Ils disent, you have to pay to play. C'est ça qu'ils disent. Alors, j'aurais dû le dire autrement et l'expliquer, mais ce n'est pas bien compliqué. On ne correspond pas à ça. Et dire qu'on va essayer d'avoir Amazon, c'est mentir à la population. Quand bien même Edmonton, Calgary contre ça, ils n'iront pas à Edmonton, Calgary, Vancouver. Oubliez ça. Il y avait 3 villes, puis allez voir Forbes, puis New York Times, puis les grands quotidiens, c'est Washington, D.C., qui n'a pas dit s'il allait essayer ou non. Le maire de Boston a dit que lui, il ne tenterait pas de le faire. Il n'a pas le goût de payer des centaines de millions de dollars. Puis Denver, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Puis Amazon a le droit de demander ça, là. Moi, je les blâme pas. Si quelqu'un est prêt à payer pour les avoir, tant mieux. Puis j'ai tant d'affaires, je fais probablement la même affaire qu'eux autres. C'est juste que ce serait mentir à la population de leur dire qu'on espère et on pense d'avoir une chance d'avoir Amazon à Québec. Ce serait un mensonge. Alors, on peut bien se faire accroire des affaires. Honnêtement, on a déjà assez de dossiers. Puis, je répète, là, on est une ville de 3,8 % de chômage. Jamais une compagnie comme Amazon ne va venir ici, seulement à cause de ça. Puis on est une ville où il n'y a pas beaucoup d'immigration. Juste à cause de ça, Amazon ne viendra pas non plus. Moi, j'ai travaillé pour tenter d'amener des compagnies dans le passé, dans mon ancien métier, puis même des compagnies américaines et internationales. Je les connais, leurs critères. Et on n'est pas dans le cadre de leurs critères. Alors, je ne mentirai pas à la population et je souhaite bonne chance à Saint-Anselme. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Daniel Beaulieu à venir prendre la parole. Madame la Présidente, ma question s'adresse au maire. J'écoutais les conseillers tout à l'heure se lancer des fleurs pour leur mandat, tout ça. Et ma question est très simple, Madame la Présidente. Depuis que le maire est en poste, comment va la dette? C'est très facile de rêver avec l'argent des autres, mais comment va la dette? Merci, M. Beaulieu. On va vous répondre. Ça va nous faire plaisir d'en parler de la dette. Parce que la dette, vous avez une sorte de dette. Une dette qui est dans un livre, puis une autre qui est sous terre. Pendant que vous faites le beau, puis vous gérez la ville, puis vous ne touchez pas vos infrastructures, il y a quelqu'un qui va payer en arrière. Puis c'était rendu à notre nourde de payer. Alors, on a profité des programmes gouvernementaux et des bas taux d'intérêt pour rebâtir nos infrastructures. Ça ne donne rien de bâtir une fontaine en avant de la maison quand le toit coule, puis qu'il y a une fissure dans le sous-sol, ça ne donne rien. Et savez-vous quoi? Oui, on a augmenté la dette, parce que puis la dette, honnêtement, au total, avec les taux d'intérêt puis les programmes de... Si on n'avait pas fait ça, pour ça, on aurait passé tout droit ces programmes gouvernementaux. On n'aurait pas bénéficié des beaux idiots. Alors, puis savez-vous, depuis 10 ans... Comment la part de la dette annuelle à Québec a augmenté? 1 % malgré tout. Quand on augmente la dette, on coupe dans les dépenses. Quand on augmente la dette, on coupe dans le personnel, mais dans le nombre de postes.
Tout ça est équilibré. Alors, entre 2008 et 2017, sur 10 ans, l'apport annuel de la dette qu'on paye a augmenté de 1 %. Parce qu'en passant, on sait compter. Et la dette, depuis 2 ans, est partie en descendant alors qu'on est en train de tout renouveler nos infrastructures. Notre ville est en santé. On appelle ça être responsable. Et depuis 2 ans, elle s'est mise à baisser. Puis savez-vous quoi? Elle va toujours diminuer parce qu'on a un cadre financier intelligent qui est mis en place puis qu'on a respecté. Alors, pour tous les, comment dire, les bonhommes sateurs, je leur dis, en 10 ans, l'apport annuel de la dette a augmenté, qu'on paye annuellement, a augmenté de 1 %. C'est parce que, quelque part, ça peut être du bon sens, puis ça veut dire que moi, mon fils, quand il va s'acheter une maison à Québec, il ne sera pas pogné plus tard pour payer des taxes additionnelles pour aller refaire le sous-sol. C'était le temps de le faire, on était responsables, et on en est très fiers. Merci. J'ai épuisé la liste des citoyens qui souhaitaient intervenir. De ceux qui sont présents dans la salle et qui n'ont pas pris la parole, est-ce que des gens souhaiteraient venir poser une question? Non? Dans ce cas, j'invite M. Patrice Fortin pour une seconde question. Rebonsoir, Mme la Présidente. Patrice Fortin, candidat de l'Alliance citoyenne pour les gens à la maison qui trouvent qu'on les défend bien. Mme la Présidente, je suis venu, il y a 2 semaines, aux séances du Conseil ici questionner ma conseillère, Mme Trudel, pour savoir son opinion, si elle en avait une, sur un beau projet structurant que j'ai présenté lors de la consultation sur les transports publics, et je ne sais pas si j'ai besoin de le répéter, de relier les 2 centres de congrès par un pont à l'est, un plan B pour les chemins de fer sur le pont, et qui amènerait les gens par monorail, éventuellement peut-être plus dans le futur, soit vers l'île d'Orléans, Saint-Anne-de-Beaupré, puis nos skieurs, de l'autre côté vers Lac-Beauport, Stoneham, Village des Sports, l'aéroport de Québec. Ça, c'est un projet structurant et visionnaire. J'ai posé la question parce que beaucoup de gens m'ont dit, Patrice, c'est vrai, tu t'es penché, tu as travaillé fort là-dessus, puis c'est vrai que c'est un beau projet. D'ailleurs, j'avais plus d'idées aussi de rajouter des bornes de recharge, des quadriporteurs qui sont... Depuis 2008, qu'on a, je l'ai demandé à M. le maire, puis il n'y a rien qui s'est fait. Alors, ma question, c'est toujours à Mme Astor, qu'on est en campagne, Mme Trudel. Là, je ne vous demande pas de regarder votre patron pour qu'il vous siffle une réponse ou qu'il vous dit de ne pas répondre. Vous, là, avez-vous une opinion sur un pont dans l'Est? Parce que maintenant, là, les citoyens doivent savoir que... Merci, M. Fortin. Ils doivent en déduire qu'un vote pour l'équipe La Bombe, c'est un vote contre le troisième lien. Merci, merci, M. Fortin. Mme Trudel? Oui, je vais répondre avec grand plaisir à M. Fortin. M. Labombe a déjà fait une partie de la réponse de mon opinion, donc je n'ajouterai pas ce que M. Labombe a dit. Je vais simplement dire qu'est-ce que je mentionne, moi, à mes citoyens. Présentement, comme conseillère municipale, je n'ai pas toute l'information pour me positionner à savoir où doit être ce troisième lien. Bien entendu, ça en prend un. Mais est-ce qu'il doit être à l'est, à l'ouest, au milieu? Moi, je ne fais pas partie du gouvernement provincial. Donc, pour le moment, je n'ai pas, comme je vous disais, suffisamment d'informations pour me positionner. Présentement, depuis le début septembre, il y a à Québec le RTC conjointement avec le MTQ, ministère du Transport, qui fait l'enquête origine-destination. Ça a lieu pour toute la grande région de Québec. Ce n'est pas que la ville de Québec. Ça inclut Lévis, ça inclut la périphérie aussi. Donc, cette grande enquête-là questionne les citoyens, toutes les personnes qui habitent une même maison, pour savoir les habitudes de déplacement de ces gens-là. Le mari, à quelle heure il part le matin, d'où il part, où il va, la madame, les enfants. Donc, cette enquête-là va se compléter en décembre. Et je pense que quand la compilation aura été faite de cette grande enquête « Origine-destination », qui a lieu aux 5 ans. Donc, à partir de ce moment-là, on sera plus en mesure, ou en tout cas, pour ma part, je serai en mesure de me positionner, à savoir si, oui, on incite, ou oui, j'appuie l'Est, ou sinon, j'appuie l'Ouest. Parce que pour le moment, si je me positionne pour l'Est et que je mets mes citoyens dans l'embarras, parce qu'on rallonge la file de trafic sur Félix Leclerc, ben, je ne rendrai pas service à mes citoyens.
Donc, voilà ma réponse officielle, M. Fortin. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de la donner publiquement. Merci. Donc, d'autres personnes qui ne sont pas intervenues, qui souhaiteraient intervenir? Ou une seconde question? Allez-y, Mme Leblanc, je vous invite à venir prendre la parole. Bonsoir. Donc, j'aimerais seulement revenir sur quelque chose que disait tout à l'heure M. Voyer. Il disait que dans la gestion animalière, sa gestion animalière, en fait, sa solution, c'est de travailler avec les citoyens. Mais justement, le CSRM, c'est ça. C'est travailler avec les citoyens puisque c'est vraiment valoriser puis appuyer l'engagement citoyen plutôt que de laisser le fardeau aux citoyens, aux citoyennes, aux organismes comme nous, à des citoyennes comme Mme Raymond qui est venue témoigner tantôt. Donc, je voulais seulement préciser ça. Et donc, ma question à M. Voyer, c'est s'il a eu, en fait, la chance de valider auprès des gens qui travaillent sur place, pour revenir à la colonie des chats à l'Hôtel-Dieu, que ce soit des employés de l'Hôtel-Dieu ou des Augustines, donc valider avec eux, qu'est-ce que ça représente pour eux dans leur quotidien, dans leur travail au quotidien, de devoir gérer avec cette situation-là depuis des années, parce qu'en plus de trouver des chatons morts l'hiver et tout, ils reçoivent l'indignation, les insultes du public qui les désignent comme responsables de la situation. Merci, madame. Monsieur Boyer. Alors, sur le site de l'Hôtel-Dieu, on travaille en collaboration avec la direction, notre fournisseur. Alors, quand ils ont besoin de nous, on y va régulièrement pour s'assurer qu'il y a les animaux qui sont en santé, on capture ceux qui sont en mauvais état, on essaye de les soigner le plus possible et on les remet en adoption. Alors, oui, on travaille beaucoup avec les citoyens. On consulte les citoyens, on les rencontre, puis on les invite à nous envoyer des commentaires s'ils ont connaissance de d'autres situations. Merci. Merci bien. Donc, ceci met fin à cette première période d'intervention générale, pas générale des membres du Conseil, mais plutôt des citoyens. Nous en sommes au point 9, avis de proposition, 9A, nouvel avis de proposition. Est-ce que des membres ont de nouveaux avis de proposition à déposer? Non? Dans ce cas, ça nous amène au point B, rapport du comité exécutif sur les avis de proposition, DG 2017-046. Oui, Madame la Présidente. Donc, il y a un avis de proposition qui a été déposé par Madame la conseillère Anne Guéret lors de la séance du Conseil de la Ville, la dernière séance, le 18 septembre dernier, qui concerne la révision du règlement sur la régie interne et la procédure d'assemblée du Conseil de Ville et la création d'un office de consultation publique indépendant. Fait que le comité exécutif, dans le rapport DG 2017-46, demande un délai additionnel jusqu'après la présente campagne électorale et l'élection du 5 novembre prochain. Donc, les interventions des membres du Conseil sur la demande de délai additionnel proposée par le comité exécutif. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Lemieux, appuyée par M. Bussière, je vous remercie. Point 10, proposition sans préavis. Est-ce que les membres auraient des propositions sans préavis? Madame Lemieux? Alors, c'est une proposition qui est faite par moi-même, appuyée par M. le maire, attendu que le directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec, M. Ian Gaylor, ait été nommé lauréat du journal Le Soleil Radio-Canada, attendu qu'à chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à une personnalité de la région qui s'est distinguée pour une réalisation exceptionnelle ou une contribution significative à la vie collective ou au rayonnement de Québec. Attendu que M. Geller est directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec depuis 2015. Attendu que dès son arrivée, M. Geller et son équipe ont apporté plusieurs modifications au festival, dont entre autres le changement de ligne artistique, les lieux des rencontres et le site web. Attendu que le succès de la 7e édition qui s'est tenue du 13 au 23 septembre dernier est un signe que les gens de Québec se sont appropriés le festival. En conséquence, il est résolu que les membres du conseil municipal félicitent le directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec, M. Ian Gaylor, et lui souhaitent beaucoup de succès dans la poursuite de sa carrière. Merci beaucoup. D'autres propositions, M. Verrette? Merci, Madame la Présidente. C'est proposé par moi et puis par M. le maire. Attendu que le 24 septembre, le président du club de baseball Les Capitales de Québec, M. Michel Laplante, ait été nommé lauréat du journal Le Soleil Radio-Canada. Attendu qu'à chaque semaine, Radio-Canada et Le Soleil rendent hommage à une personnalité de la région qui s'est distinguée par une réalisation exceptionnelle, une contribution significative à la vie collective ou au rayonnement de Québec. Attendu que par ses idées novatrices, M. Laplante a réussi à convaincre la ville de laisser créer un organisme à but non lucratif et de vendre le nom du stade pour financer leur activité. Attendu que dès ce mois-ci, le stade, qui porte maintenant le
nom de l'entreprise Canac, sera recouvert d'un dôme et qu'il sera maintenant possible de pratiquer le baseball durant tout l'hiver. Attendu que depuis cet été, le stade Canac est l'un des complexes sportifs les plus innovateurs en Amérique du Nord. Attendu que par son engagement, son dévouement et son désir d'aider les autres au quotidien, M. Laplante est un véritable ambassadeur pour le baseball. Attendu qu'en 2014, M. Laplante est intronisé au temple de la renommée du baseball. En conséquence, il est résolu que le membre du conseil municipal félicite le président du club baseball Les Capitales de Québec, M. Michel Laplante, pour sa vision ainsi que pour sa contribution au monde du sport et lui offre leurs meilleurs vœux de succès pour la continuité de sa carrière. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres membres auraient des propositions sans préavis? Non. Dans ce cas, je vous invite, M. le greffier, à bien vouloir enregistrer mon vote pour ces deux propositions. Point 11, rapport du comité exécutif. 11A, matière relevant de la compétence du Conseil de la Ville, comité exécutif du 20 septembre 2017. Approvisionnement, AP 2017-533. Le dossier concerne une autorisation au conseil de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour l'engagement de crédit pour l'adjudication d'un contrat de déneigement des rues du lac Saint-Augustin et pour trois saisons suite à l'appel d'offres 50-737. Donc, c'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par Mme Corriveau. AP 2017-539. Le dossier concerne l'autorisation au conseil de l'arrondissement de Beauport pour l'engagement de crédit pour l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de l'arrondissement suite à l'appel d'offres 50-572. Donc, c'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par Mme Trudel. Culture et relations internationales, CU 2017-118. Pour autoriser la signature du programme de coopération pour couvrant les années 2018 à 2020 entre la ville de Bordeaux et la ville de Québec. C'est proposé par M. le maire et c'est appuyé par Mme Lemieux. Développement économique et grands projets, DE 2017-193. Affectation au domaine privé de la ville du lot numéro 6 018 007 et la vente de ce lot situé dans l'arrondissement des Rivières. Proposé par M. Julien, appuyé par Mme Jean. DE 2017-207. Acquisition à des fins municipales du lot numéro 5 804 382 situé dans l'arrondissement de Beauport. Proposé par Mme Lemieux, appuyé par Mme Trudel. Loisirs, sport et vie communautaire, LS 2017-032. Acceptation des travaux de réparation effectués à la piscine Lucien Flamand et l'appropriation d'une somme à même le budget de fonctionnement en paiement comptant d'immobilisation et le versement de la contribution financière de la Ville. Proposé par Mme Gilbert et appuyé par Mme Ferraud, LS 2017-033. Acceptation des travaux de réfection de la piscine La Seigneurie, l'appropriation d'une somme de 1 075 000 $ à même le budget de fonctionnement en paiement comptant d'immobilisation et le versement de la contribution financière de la Ville. Proposé par Mme Lemieux, appuyé par Mme Trudel, LS 2017-038. Reconnaissance à portée municipale de l'organisme Association canadienne pour la santé mentale Région de Québec, incorporé dans le cadre de la politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Proposé par Mme Gilbert, appuyé par Mme Jean. Comité exécutif du 27 septembre 2017, affaires juridiques, AJ 2017-038. Autoriser le règlement hors cours dans la cause impliquant la Ville et Gaz Métro relativement à la facturation des consentements municipaux pour des travaux et infrastructures d'utilité publique. Proposé par M. Julien, appuyé par M. Verrette. AD 2017-042. Nomination d'un nouveau membre de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec. Proposé par Mme Lemieux et appuyé par Mme Jean. Mme Gilbert? Je voudrais déclarer un potentiel conflit d'intérêts parce que la personne nommée est ma belle-sœur. Merci. Merci, M. Bussière. AD 2017-043. Là, j'avais déjà Mme Lemieux, Mme Jean qui proposait et oui, appuyait. Donc, c'est déjà noté pour ce qui est des proposeurs-appuyeurs, ce qui me concerne. Le prochain dossier, c'est la subvention à la fabrique de la paroisse Saint-Sauveur. Donc, c'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par M. Bussière. Mon intérêt, parce que dans ma déclaration générale, je fais partie du fonds d'aide aux fabriques. Il y a un lien, effectivement, peut-être potentiel. Effectivement, je suis heureux de voir l'aide qu'on fait à Saint-Sauveur. Mais comme je suis sur le comité, j'ai été nommé jusqu'en 2020 par le chevet sur le comité d'aide au fonds des fabriques, je voudrais déclarer mon intérêt. Parfait. Donc, c'était proposé par Mme Lemieux. Ça sera appuyé par Mme Gilbert. AD
Pardon, approvisionnement, AP 2017-483. Adjudication d'un contrat relatif à la construction d'un lien piétonnier reliant les rues Coursol et de la Cantatrice dans l'arrondissement des Rivières. Proposé par M. Julien et appuyé par Mme Jean. AP 2017-495. Autorisation au conseil de l'arrondissement de Beauport pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour des travaux d'entretien hivernal de divers stationnements dans les arrondissements de Beauport, de la Haute-Saint-Charles, couvrant les saisons 2017-2018 jusqu'en 2019-2020. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Trudel. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2017-496. Donc, autorisation au conseil de l'arrondissement des Rivières pour l'engagement de crédits relatifs à l'adjudication de contrats pour des travaux de déneigement, de stationnement, d'escaliers et autres surfaces dans l'arrondissement des Rivières suite à l'appel d'offres 50-736. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Jean. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2017-500. Autorisation au conseil de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles pour l'engagement de crédits relatifs à l'adjudication de contrats pour des travaux de déblaiement de poteaux d'incendie et de certaines aires d'attente d'autobus dans les arrondissements de Beauport et Haute-Saint-Charles, c'est suite à l'appel d'offres 50-517. C'est proposé par Monsieur Julien, appuyé par Mme Trudel. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2017-515. Autorisation au conseil de l'arrondissement des Rivières pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de l'arrondissement des Rivières suite à l'appel d'offres 50-572. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Jean. Questions, commentaires, c'est adopté. AP 2017-541. Autorisation au conseil de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de l'arrondissement suite à l'appel d'offres 50-572. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par M. Voyer. Questions, commentaires, c'est adopté. AP 2017-542. Autorisation au conseil de l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts en neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière et Sérénité, lot 1, suite à l'appel d'offres 50-344. Alors, c'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par Mme Jean. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2017-543. Autorisation au conseil des arrondissements Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et des Rivières pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de ces arrondissements suite à l'appel d'offres 50-572. C'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Corriveau. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2017-546. Convention pour la mise à disposition et l'entretien de toilettes publiques dans le quartier Petit-Champlain. C'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Véraud. Questions, commentaires, c'est adopté. AP 2017-550. Autorisation au conseil de l'arrondissement de Charlebourg pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour le déneigement de rue de cet arrondissement suite à l'appel d'offres 50-572. C'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par M. Dufresne. Questions, commentaires, c'est adopté. AP 2017-553. Autorisation au conseil des arrondissements La Cité-Limoilou, des Rivières, Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour l'opération des dépôts en neige Chanoine-Scott, Saint-Thomas-d'Aquin, Godin, Jonquière-Sérénité, lot 2, suite à l'appel d'offres 50-344. C'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Jean. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2017-554. C'est l'autorisation au conseil de l'arrondissement de Beauport pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication d'un contrat pour les opérations de dépôt en neige, le même que le dossier précédent, mais cette fois-ci, c'est le lot 3 et ça fait suite à l'appel d'offres 50-344. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Trudel. Questions, commentaires? C'est adopté. AP 2017-558. Autorisation au conseil de l'arrondissement de la Cité-Limoilou pour l'engagement de crédit relatif à l'adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de l'arrondissement suite à l'appel d'offres 50-572. Alors, c'est proposé par M. Julien, c'est appuyé
par M. Bussière. Questions, commentaires? C'est adopté. Développement économique et grands projets. DE 2017-099. Autorisation à la Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec afin de réaliser des travaux de rénovation. L'autorisation à cette institution, cet organisme, afin de contracter un nouvel emprunt jusqu'au remboursement total du prêt de la Ville de Québec et l'autorisation à la Ville de passer en premier rang hypothécaire, donc en pari passu, donc en égalité avec la Caisse d'économie solidaire Desjardins. C'est proposé par Mme Chantal Gilbert, c'est appuyé par Mme Jean. Questions, commentaires? C'est adopté. DE 2017-192. Abrogation de la résolution du Conseil de la Ville 2017-500 et l'affectation au domaine privé de la Ville et la vente du lot numéro 3 940 826 situé dans l'arrondissement de la cité Limoilou. C'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par M. Bussière. Questions, commentaires? Oui, Mme Guérette. Oui, M. le Président. Écoutez, on parle d'un terrain... la Ville de Québec a vendu au montant de 900 000 $ le 5 juin 2017. Et là, aujourd'hui, il y a eu des vérifications environnementales et on diminue le prix de vente de 640 000 $. Donc, on avait vendu ce terrain-là 900 000. Là, aujourd'hui, on diminue de 640 000. Donc là, on revoit le prix de vente au montant total de 260 000 $. Donc, j'aimerais que M. Legault m'explique. Je comprends qu'on a fait des vérifications environnementales, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas les vérifications complètes avant de négocier un prix? On négocie un prix, puis là, après ça, on n'a plus vraiment le gros bout du bâton, me semble, puis on diminue drastiquement le prix du terrain. Je ne comprends pas la procédure. J'aimerais qu'on me l'explique. M. Julien va répondre. Oui, merci, M. le Président. Alors, l'évaluation, on le fait dans plusieurs dossiers, soit dit en passant, du terrain contaminé. Alors, ici, il y a une valeur marchande qui est déterminée pour un terrain qui ne serait pas contaminé. Et là, il y a une évaluation externe qui se fait dans le dossier qui nous occupe. Ici, c'est 702 350 $. Précisément, l'évaluation, les professionnels à la Ville de Québec prennent acte de cette évaluation-là. Ils déterminent qu'elle est crédible, qu'elle est faite par une firme externe de renom. Et on finit par négocier, ce n'est pas 702 000, c'est 640 000, la réduction de la valeur, pour un produit, un prix révisé à 260 000 $. On fait ça dans plein cas de figure où on dispose d'un terrain qui est contaminé suite à une évaluation externe par un tiers qui vient dire, oui, la valeur marchande d'un terrain non contaminé, ça serait 900 000 $, mais on convient ensemble que l'analyse, la contamination, fait en sorte qu'on réduit la valeur, puisque de toute façon, le terrain... une fois décontaminé, vaudra effectivement 900 000 $, mais le tiers devra investir 702 000 $ le cas échéant pour arriver à ce terrain-là. Donc, on fait ça dans plusieurs cas de figure. Je comprends mal votre interrogation aujourd'hui, puisqu'on le fait régulièrement. Quel élément nouveau fait en sorte que vous êtes préoccupé? Moi, j'ai rarement, Madame Guérette, oui. J'ai rarement vu une diminution aussi importante de prix. C'est vraiment ça qui m'a sauté aux yeux. Et puis, c'est sûr que je trouve un peu particulier qu'on finalise pas les procédures de vérification environnementale avant de fixer le juste prix. Ça va, tout est dit, il n'y a pas de complément? Parfait. Alors, vous demandez le vote, alors le vote sera demandé. Alors... Monsieur le greffier, alors quels sont ceux qui sont favorables au sommet qui nous est présenté? Quels sont ceux qui sont contre? Parfait, c'est adopté. DE 2017-218. Affectation au domaine privé de la Ville du lot 1 426 908 du cadastre du Québec et la vente de ce lot, l'acquisition à des fins municipales des lots 5 164 053 et 54, le tout situé dans l'arrondissement de Charlebourg. Alors, c'est proposé par M. Julien, appuyé par M. Dufresne. Questions, commentaires? C'est adopté. DE 2017-219. Acquisition des fins municipales du lot 6 007 301, situé dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles.
Alors, c'est proposé par M. Julien, appuyé par M. Verrette. Questions, commentaires? C'est adopté. DE 2017-220. Abrogation de la résolution du Conseil de la Ville 2017-200. L'acquisition à des fins industrielles du lot 6 087 720 qui est situé dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Donc, c'est proposé par M. Julien et c'est appuyé par M. Dion. Merci. DA 2017-222. Madame Guérette, une question, allez-y. Je vais demander le vote, s'il vous plaît. Demandez le vote. Donc, quels sont ceux qui sont favorables au sommaire DA 2017-220? Je vous remercie. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. DA 2017-222. Acquisition des fins municipales du lot 1 660 557, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. C'est proposé par M. Julien, c'est appuyé par Mme Corriveau. DA 2017-223. Acquisition des fins municipales des lots 1 989 587, 1 989 641, 1 989 541, 542 et des parties des lots 1 989 621, 1 989 538 et 567. Et concernant l'ouverture de la rue Monseigneur Marc Leclerc et d'une partie de la côte Saint-Grégoire à régulariser dans l'arrondissement de Beauport. Proposé par Mme Lemieux et appuyé par Mme Trudel. DA 2017-224. Acquisition des fins municipales d'un bâtiment appelé Cottage Ross et autorisation de sa relocalisation sur le lot 4 811 478 et la permission d'occupation temporaire de ce lot situé dans l'arrondissement La Cité-Limoilou. Proposé par Mme Lemieux et appuyé par M. Bussière. DA 2017-228. Donc, l'abrogation des résolutions du Conseil de la Ville 2016-544 et 2016-908, l'affectation au domaine privé de la Ville des lots numéros 5 413 034 et 1 479 372, la vente de ces lots situés dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou. C'est proposé par M. Julien et appuyé par Mme Gilbert. DA 2017-239. Fermeture et affectation au domaine privé de la Ville d'une partie de la rue Bardot. Donc, le lot 1 736 791, la vente de cette partie de lot consentant à l'établissement d'une servitude de réseau en faveur de la Ville, ce terrain situé dans l'arrondissement des Rivières. Proposé par M. Julien et appuyé par Mme Jean. DA 2017-240. Renonciation au droit préférentiel d'achat et avis à la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail. À ce moment-là, donc, concernant le terrain situé au 524 rue Bourdage, dans l'arrondissement des Rivières. Proposé par M. Julien et appuyé par Mme Jean. Direction générale? Oui, allez-y, M. Chouari. Si j'ai bien compris, la Ville n'aura pas l'obligation de payer 5 millions, donc ça fait 5 millions de plus dans les coffres de la Ville. M. Julien? Effectivement, c'est un engagement de moins à la charge de la Ville. Alors, dans la négociation qui avait eu lieu, la CNESST avait un laps de temps pour trouver des acheteurs, des tiers. Nous, c'est la valeur auquel on était prêt à payer pour l'acquisition. Et tout indique qu'ils ont trouvé un acheteur qui a fait une offre supérieure. En complément, M. le maire? Dire que, lorsqu'on a fait les chiffres pour l'amphithéâtre, on avait dit que sur une période de 10 ans, il se bâtirait, le long du boulevard Laurentienne se bâtirait, je pense que c'est une preuve. Il y a des promoteurs privés qui ont décidé d'acheter l'édifice de la CNESST. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt qu'il n'y avait pas avant. Puis ça, il y a toujours aussi le projet de GM. Alors, ça progresse. Merci. Direction générale, DG 2017-043. Dossier concerne des subventions à Centraide. C'est proposé par Mme Gilbert, c'est appuyé par Mme Jean. Ingénierie, IN 2017-020. Entente de collaboration entre la Ville et le gouvernement du Québec relativement au projet de construction d'un collecteur pluvial dans le secteur des autoroutes Laurentienne et Félix-Hotler afin de drainer les eaux de surface. Proposé par M. Julien et appuyé par M. Boyer. Interaction citoyenne, IC 2017-001. Prise d'acte des rapports 2016 des conseils de quartier de l'arrondissement de la Cité-Limoilou. C'est proposé par
Madame Gilbert, appuyée par M. Bussière. Planification de l'aménagement et de l'environnement, PA 2017-013. Donc, ça concerne le développement Pierre-Bertrand, l'ouverture de 3 nouvelles rues dans le district électoral Neuchâtel-le-Bourgneuf. Proposé par M. Julien, appuyé par Mme Jean, PA 2017-015. Le dossier concerne le domaine Legendre phase 2, prolongement des rues Georgina Lefebvre et Françoise Loranger, ouverture d'une nouvelle rue dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Proposé par M. Julien, appuyé par Mme Corriveau. Ressources humaines, RH 2017-773. Donc, ça concerne le contrat d'engagement entre la Ville et Mme Marie-Hélène Saint-Onge à titre de directrice du service des loisirs, des sports et de la vie communautaire. Proposé par M. Julien et appuyé par M. Bussière. Point B, matière à soumettre au Conseil d'agglomération, comité exécutif du 20 septembre 2017, approvisionnement, AP 2017-511. Donc, c'est pour autoriser à soumettre à la prochaine réunion du Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat pour le service de location de systèmes d'impression numérique multifonctionnel. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Arrondissement de la cité du Moiloux, A1GT 2017-100. Également pour la prochaine réunion du Conseil d'agglomération, donc d'autoriser les modifications reportant sur le stationnement réseau artériel d'agglomération concernant la rue de la Couronne. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Gilbert. Développement économique et grands projets, DA 2017-238. Autoriser à soumettre au Conseil d'agglomération l'adoption du plan commerce 2017-2020, l'autorisation d'un dépôt d'une demande auprès du ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Gilbert. Planification de l'aménagement et de l'environnement, PA 2017-016. Autorisé à soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation de la résolution 2018-17 concernant l'adoption du premier projet de résolution intitulé « Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et industrie pharmaceutique sur une partie des lots 1 309 586 et 3 036 280 dans la ville de l'Ancienne Lorette afin de la délivrance d'un certificat de conformité au schéma d'aménagement. » Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Lemieux. Traitement des eaux, TA 2017-009. Donc, autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente intermunicipale entre la Ville de Québec et la municipalité de Rivière-Ouelle relativement à la réception, l'assainissement des boues de fosses septiques et de fosses scellées. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Verrette. Affaires juridiques, AJ 2017-039. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération le règlement hors cours relativement à la poursuite cour supérieure dans le dossier impliquant Robert Tavares, Jim Tavares et Ville de Québec. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Approvisionnement, AP 2017-468. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération le renouvellement d'un contrat pour le transport, traitement, élimination de cendres de l'incinérateur. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Verrette. AP 2017-519. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat pour le renouvellement, l'achat de logiciels suite l'eau 7, suite à l'appel d'offres 50-818. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Dion. AP 2017-547. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire suite à l'appel d'offres 50-821. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Voyer. AP 2017-552. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'approbation pour la saison hivernale 2017-2018 des taux et des tarifs relatifs au transport de la neige et de la glace par les camionneurs privés et d'une entente entre la Ville et l'Association des transporteurs en vrac, région 03 incorporée. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. AP 2017-556. Pour le Conseil d'agglomération, l'adjudication de contrats pour l'entretien hivernal de divers stationnements et bâtiments de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et dans l'agglomération, donc territoire de Saint-Augustin-des-Morts. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. AP 2017-574. Autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat de service professionnel, accompagnement dans la mise en place de la modélisation des données du bâtiment de la Ville de Québec suite à l'appel d'offres 50-598. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. AP 2017-576.
Autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'adjudication d'un contrat pour des travaux d'entrepreneurs en isolation. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. AP 2017-579. Toujours au conseil d'agglomération, contrat pour la réception, conditionnement et la mise en valeur des branches des éco-centres. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Verrette. AP 2017-595. Toujours à l'agglomération, un contrat de service professionnel, l'accompagnement de la mise en place d'un processus de gestion des actifs liés à la modélisation des données suite à l'appel d'offres public 50-898. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Arrondissement de Beauport, A5FH 2017-004. Soumettre au conseil d'agglomération l'entente de service entre la Ville et la Société canadienne pour la conservation de la nature relativement au versement de sommes à titre d'avance pour l'acquisition de différents milieux naturels et sur le territoire de la Ville, incluant les honoraires professionnels. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Trudel. A5GT 2017-053. Pour le conseil d'agglomération, approuver les modifications aux règles portant sur le stationnement sur le réseau d'agglomération concernant la rue Évangeline dans l'arrondissement de Beauport. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Ernoul. Développement économique et grands projets, DA 2017-198. Donc, c'est pour le conseil d'agglomération, c'est concernant l'approbation de l'entente entre la Ville Ingénie Arts Technologies Incorporées relativement au versement d'une subvention dans le cadre de l'appel de projet programme Valo Capital en 2017 de la stratégie de développement économique de la Ville, ainsi que la convention de financement qui en découle. C'est proposé par M. le maire et c'est appuyé par Mme Jean, DA 2017-200. Pour le conseil d'agglomération, d'approuver l'entente entre la Ville et Silicycle Incorporé relativement au versement d'une subvention pour l'ajout de laboratoires de recherche dans le cadre du programme d'infrastructure de recherche de la stratégie de développement économique de la Ville. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Jean, DA 2017-201. Pour le conseil d'agglomération, d'approuver l'entente entre la Ville et CoVO Solutions Incorporées relativement au versement d'une subvention pour l'ajout d'espaces dédiés à la recherche dans le cadre du programme d'infrastructure et de recherche de la stratégie de développement de la Ville. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Jean. DA 2017-203. Pour le conseil d'agglomération, donc la recommandation de financement au gouvernement du Québec relativement au versement d'une subvention à Pixel Québec pour la réalisation du projet Pixel Animation et Cartoon Connection Canada 2017 dans le cadre du Fonds de la région de la capitale nationale. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Jean. DA 2017-204. Donc, pour le conseil d'agglomération, d'approuver l'entente entre la Ville et Québec International relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet études stratégiques sur le secteur maritime dans le cadre de la stratégie de développement économique. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Jean, DA 2017-205. Pour le conseil d'agglomération, l'abrogation de la résolution du conseil d'agglomération 2017-288 et la conclusion d'une entente entre la Ville et le Festival du cinéma de la Ville de Québec relativement au versement d'une subvention pour la réalisation du projet FCVQID dans le cadre du programme d'aide aux événements professionnels de la stratégie de développement économique. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Lemieux. DA 2017-212. Pour le conseil d'agglomération, l'adoption du règlement sur des interventions en matière d'acquisition immobilière de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts rattachés. Règlement d'agglomération projeté 1149. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. DA 2017-214. Pour le conseil d'agglomération, d'autoriser le bail entre la Ville et le gouvernement fédéral pour la location 835 avenue Wilfrid Laurier. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. DA 2017-221. Donc, pour le conseil d'agglomération, d'autoriser l'acquisition d'une partie du lot 1 665 019, le consentement à la modification d'une servitude de stationnement consentie sur le lot 1 165 000, le terrain situé dans l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. DA 2017-225. Oui, Mme Guirette, allez-y. Je demande le vote, s'il vous plaît. Donc, le vote est demandé. Quels sont ceux qui sont favorables? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci.
2017-225. Donc, pour le conseil d'agglomération, l'acquisition du lot 1 313 083 avec bâtiment situé dans l'arrondissement de la ville de l'ancienne Lorette. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. DA 2017-226. Pour le conseil d'agglomération, l'acquisition du lot 1 313 085, également situé dans l'ancienne Lorette. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. DA 2017-231. Pour le conseil d'agglomération, l'adoption du règlement sur des travaux de réménagement du pavillon du commerce d'Exposité et sur l'emprunt nécessaire, c'est le règlement d'agglomération projeté 1150. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Dufresne. DA 2017-234, Mme Guirette. Je demande le vote, je vais m'expliquer. Je... Vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui. En fait, c'est un règlement qui prévoit, en fait, c'est l'avancement du projet de déménagement du Grand Marché. Donc, on avance les étapes. Vous savez que je ne suis pas d'accord avec ce projet-là, comme de nombreux citoyens qui se sont exprimés, et le projet avance malgré une forte expression citoyenne qui pense avec raison, je crois, que c'est pas une bonne idée d'amener un gros projet de marché central là. Alors, je me suis prononcée à plusieurs reprises dans ce dossier-là. Mes deux collègues ici aussi se sont prononcés avec moi, M. Bussière, M. Chouari, à plusieurs reprises, comme étant contre le déménagement du marché du Vieux-Port. Donc, je demande le vote, s'il vous plaît, Mme la Présidente. Donc, le vote est demandé. Quels sont ceux qui sont favorables? Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Merci. DA 2017-234. Opération. Donc, la résiliation de l'entente est intervenue le 9 mai 2017 entre la Ville et Québec International relativement au versement d'une subvention dans le cadre de stratégie de développement économique de la Ville de Québec et également concernant le volet dans le cadre du fonds de la région de la capitale nationale. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Jean. Finances, FN 2017-041. Pour le conseil d'agglomération, l'approbation du règlement 346 décrétant un emprunt et une dépense d'un million de dollars concernant la refonte du système de gestion et des plateformes d'information clientèle du réseau de transport de la capitale. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Normand, FN 2017-043. Pour le conseil d'agglomération, l'approbation du règlement 348 décrétant un emprunt et autorisant une dépense n'excédant pas 933 000 $ concernant le maintien et la mise à niveau du système de vente et de perception Opus du RTC. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Normand. FN 2017-044. Pour le conseil d'agglomération, l'approbation du règlement 349 décrétant un emprunt et autorisant les dépenses n'excédant pas 750 000 $ concernant la réalisation d'un projet pilote visant le déploiement d'une solution mobile de paiement au RTC. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Normand, FN 2017-045. Pour le conseil d'agglomération, l'adoption de la nouvelle version de la politique de placement de l'encaisse. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Greffe et archives, GA 2017-008. L'adoption du calendrier de l'année 2018 des séances du conseil de la ville et l'autorisation de soumettre au conseil d'agglomération l'adoption du calendrier 2018 des séances du conseil d'agglomération de Québec. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. Planification de l'aménagement et de l'environnement, PA 2017-018. Pour le conseil d'agglomération, l'annonce des lauréats et le versement des prix dans le cadre du concours international d'idées Rêvons nos rivières. Proposé par M. le maire et appuyé par Mme Lemieux. Ressources humaines, RH 2017-0809. Pour le conseil d'agglomération, d'accuser acte de la démission de Mme Annie Godreau à titre de directrice du service de la Cour municipale. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien. RH 2017-815. Donc, l'autorisation soumettre au conseil d'agglomération l'affectation de Mme Joanne Denis à l'emploi de directrice par intérim du greffe de la Cour municipale. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Julien.
Traitement des eaux, TA 2017-010. Donc, l'autorisation de soumettre au Conseil d'agglomération l'entente intermunicipale entre la Ville et la MRC de Bellechasse relativement à la réception et l'assainissement des boues de fosses septiques et de fosses scellées. Proposé par M. le maire et appuyé par M. Verrette. Point C, matière soumise au Conseil de la Ville par un conseil d'arrondissement, comité exécutif du 27 septembre 2017, arrondissement de Charlebourg, A4-4-LS-2017-055. Appropriation d'un montant à même le fonds réservé aux fins de parc terrain de jeu, l'espace naturel de l'arrondissement de Charlebourg pour la réalisation de travaux au parc Saint-Pierre et au parc Guillaume-Mathieu. Proposé par M. Voyer et appuyé par Mme Doyne. Arrondissement de Sainte-Foy-Cédric-Cap-Rouge, A3-LS-2017-040. Entente entre la Ville et la Commission scolaire des découvreurs portant sur les conditions d'utilisation mutuelle des gymnases, salles polyvalentes des écoles primaires et secondaires, certains sous-sols d'écoles primaires, de locaux supplémentaires pour le programme Vacances été, centres de loisirs, piscines extérieures et de matériel et de locaux spécialisés. Proposé par M. Normand et appuyé par Mme Corriveau. Point 12, avis de motion et projet de règlement, comité exécutif du 27 septembre 2017, DE 2017-211. Donc, cet avis de motion est relatif au projet de règlement sur des interventions en matière d'acquisition immobilière de diverses natures et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés. C'est le règlement de la Ville projeté numéro 2581. L'avis de motion sera lu par M. Julien. Je donne avis qu'à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un règlement ordonnant des interventions mineures en matière d'acquisition immobilière de diverses natures destinées à régler certains problèmes de titres de propriété ou à régulariser des empiétements de la Ville, lesquels ne s'inscrivent pas dans le cadre de la réalisation d'autres projets municipaux, ainsi que l'octroi des contrats de services professionnels et techniques, de même que l'acquittement des frais afférents. Ce règlement prévoit un emprunt de 75 000 $ pour les interventions immobilières, les services professionnels et techniques, de même que l'acquittement des frais ainsi ordonnés, et décrète un emprunt du même montant remboursable sur une période de 5 ans. Merci. Vous proposez également l'appropriation? Et vous êtes appuyé par M. Verrette. PA 2017-021. Adoption du projet de règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement au groupe d'usage I1, industrie de haute technologie. C'est le règlement de la Ville projeté numéro 2583. C'est proposé par Mme Lemieux et appuyé par M. Normand. Mme Lemieux, vous lirez l'avis de motion? C'est ça. Je donne avis qu'une prochaine séance sera soumise pour adoption au règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme afin d'autoriser un centre d'entreposage et de distribution à titre d'usage associé à un usage du groupe I1, industrie de haute technologie, lorsque la superficie de plancher de cet usage de haute technologie est d'au moins 15 000 m². Merci. Point 13, adoption de règlement A1GT 2017-113. Donc, c'est le règlement sur la réalisation... Pardon. D'un projet relatif à un équipement collectif au parc Bardi. Donc, c'est le règlement de la Ville numéro 2574. C'est proposé par... Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Gilbert, appuyée par Mme Perrault. Merci. PA 2017-011. C'est le règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement à diverses dispositions. C'est le règlement 2575. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par M. Normand. PA 2017-09. C'est le règlement sur des travaux d'élaboration et de mise en œuvre de la partie du plan des rivières relevant de la compétence de proximité de la Ville et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts rattachés. C'est le règlement 2576. C'est proposé par Mme Lemieux, appuyé par M. Verrette, AD 2017-034. Donc, c'est le règlement modifiant le règlement sur le programme de revitalisation et d'intervention en habitation Rénovation Québec relativement à diverses dispositions. C'est le règlement de la Ville 2578. C'est proposé par Mme Gilbert, appuyé par M. Julien, AD 2017-040. C'est le règlement modifiant le règlement sur le programme d'intervention et de revitalisation de bâtiments patrimoniaux relativement à certaines dispositions. C'est le règlement de la Ville 2579. C'est proposé par Mme Lemieux et c'est appuyé par Mme Gilbert. Merci. Nous en sommes au point 14, deuxième période de questions des citoyens. J'ai épuisé la liste des citoyens qui souhaitent intervenir ce soir. De ceux qui sont présents dans la salle, souhaitez-vous intervenir? Non? Merci. Ça nous amène au point 15, deuxième partie de la période d'intervention générale des membres du Conseil. Nous en étions à M. Verrette. Je vais tout simplement souligner
la randonnée cycliste qui a été organisée par le directeur de police de notre, la Ville de Québec, le SPVQ. Donc, au profit de Centraide, qui a amassé 9 000 $ pour une première année. Donc, il y avait 170 participants de la Ville de Québec. Donc, je tiens à féliciter Robert Pigeon et tous ses collaborateurs qui ont rendu possible cette campagne. Cette levée de fonds pour 113 qui est en campagne présentement de levée de fonds. Merci, Mme Verrette. Merci, M. Verrette. Oui, allez-y, Mme. Oui, Mme la Présidente, moi j'aimerais que M. Bussière, mon ancien collègue, explique aux citoyens pourquoi aujourd'hui il vote en faveur d'un sommaire. J'ai le droit de poser des questions à d'autres conseillers? Oui, allez-y, c'est bon. Bon, alors je veux comprendre pourquoi il vote aujourd'hui en faveur d'un projet pour faire avancer le projet de grand marché à Exposité, parce qu'il s'est prononcé avec nous à plusieurs reprises contre ce projet. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi il change d'idée aujourd'hui. Merci. M. Bussière. Très à l'aise, Mme la Présidente, d'appuyer ce projet, parce que le grand marché, c'est un projet pour relancer, effectivement, Exposité, et c'est un projet structurel, à mon point de vue, pour Dubolité. Maintenant, ça ne veut pas dire, d'une part, qu'il n'y aura pas de marché dans le Vieux-Québec. Il est prévu, effectivement, à Place de Paris, d'avoir un marché pour servir la population. C'est sûr que lorsqu'on est dans une équipe politique, il y a des discussions, et puis il y a un consensus qui se fait. Maintenant, je ne suis plus dans cette équipe politique capable d'avoir un recul. Je dis, effectivement, c'est un bon projet, mon point de vue, le grand marché, Mme la Présidente, parce que avec le départ, où en fait Exposité a bien changé depuis des années, il faut relancer Exposité. J'ai été cet été avec mes petits-enfants, avec les carousels, il y a de l'animation. On voit maintenant avec la plage Jean-Béliveau, il va y avoir de l'animation. Je pense qu'à un moment donné, c'est un lieu qu'il faut relancer et restructurer. Et le Grand Marché, à mon point de vue, peut être effectivement un élément moteur pour relancer Exposité. C'est la conviction que j'ai comme telle maintenant avec le recul. On a fait une bataille dans le pont pour garder le marché dans le Vieux-Port, mais c'était d'avoir un lieu de marché dans le Vieux-Port. Il est garanti et prévu qu'il y en aura un. Ce n'est pas le marché qu'on a présentement. C'est pas là qu'il va être là, mais pour la question des constructions expositées, à mon point de vue, je suis très à l'aise, Mme la Présidente, d'appuyer l'administration et aller de l'avant pour avoir un marché dans les Moyaux. Ben, écoutez, lorsqu'on fait partie d'une équipe politique, effectivement, à l'époque, il y avait peut-être un débat politique à savoir de conserver. Le débat va continuer durant la campagne électorale parce qu'il y a des gens qui débattent pour avoir le marché, conserver le marché. On sait que c'est un enjeu électoral. On veut même abolir le projet de construction du marché public à Exposité comme engagement électoral. Mais là, on fait ça en dehors de cette enceinte-là, Mme la Présidente. L'élection, c'est dans un mois. Moi, je pense que la décision que nous avions ce soir, c'est qu'on va de l'avant. Moi, ma position personnelle, oui, parce que je crois que Exposité doit avoir une seconde vie, puis une vie animée, avec un lieu de rencontre commercial et aussi festif. Merci. Pas d'autres interventions? En fait, vous n'avez pas pris votre 3 minutes, mais il vous reste environ 1 minute 30. Je suis vraiment très déçue. Moi, j'appelle ça des vire-capots. Je ne comprends pas. Je suis incroyable que M. Bussière change de direction à ce point-là. Il n'y a rien qui a changé. Alors, tu sais, quand on était dans l'équipe politique, il y avait de la liberté de ne pas nécessairement avoir le même point de vue tout le monde. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, que M. Bussière n'avait pas le même point de vue que le mien. Et il n'y avait jamais eu aucun problème là-dessus. Donc, c'est le genre de changement de direction majeur qui font que parfois certains citoyens sont déçus de certains politiciens qui changent d'idée sur un projet aussi important. C'est extrêmement décevant. Quelle est votre question de privilège, M. Bussière? Je vais vous dire, en toute conscience, on a tous prêté serment il y a 4 ans pour bien gérer cette ville. Et c'est en pleine conscience que j'ai pris cette décision-là ce soir et d'appuyer effectivement cette décision-là. Que ça, qu'en déplaise à ma collègue, parce que ce n'est pas son combat électoral, c'est un combat électoral pour elle. Moi, ce soir, je regarde un dossier
Et ce dossier-là mérite d'être continué. C'est mon expression comme élu. Me dire que j'ai changé d'idée, effectivement, par rapport à une défense où on souhaitait peut-être conserver un marché dans le Vieux-Port, mais ce marché-là sera relocalisé à un autre Monsieur endroit. Monsieur Bissière, vous avez qu'une question de privilège, ça vous permet... Madame la Présidente, une question de privilège, c'est que je pense qu'en toute liberté, un élu doit respecter un élu. C'est le premier principe. Et la décision que j'ai prise, je l'ai prise en pleine conscience et aussi en pleine liberté. Et moi, je pense que c'est le rôle d'un élu de s'exprimer. Madame la Présidente, c'est quoi la question? Madame Guérette, là. Privilège, c'est que je pense qu'il est complètement inapproprié de dire qu'un collègue porte un jugement de valeur sur moi par rapport à la décision que j'ai prise. Sur ça, Monsieur Bissière, je vous l'accorde, effectivement. Mais pour ce qui est, je ne peux pas vous laisser vous réexpliquer sur le dossier parce que je ne vous accorde pas du temps pour réexpliquer votre point de vue. Mais en effet, effectivement... De dire de vous que vous êtes un politicien bircapot, on peut considérer qu'en fonction du règlement qui considère la question de privilège comme une intervention d'un membre du Conseil qui se croit atteint dans son honneur ou sa dignité. Donc, écoutez, si je n'ai pas d'autres interventions des membres du Conseil, je vous dirais, avant de passer à la clôture de la séance, merci pour la confiance que vous m'avez accordée dans ce rôle de présidente pour le mandat. Bien, merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée et évidemment tous ceux qui m'ont accompagné dans ce rôle, M. Sylvain Ouellet à titre de greffier et tout récemment M. Lefrançois ainsi que M. Legault. Merci à tous, une belle fin de soirée.